Dista ce soir grâce aux équipes déployées par Canal ce soir sur les pelouses de Ligue 1 en multiplex en intégralité la 38e et dernière journée, les derniers mystères de la Ligue 1 ce soir sont levés. Direction Bordeaux, Bordeaux-Marseille, Denis Balbière, Franck Sauzet. Le stade Jacques Chaban-Delmas à guichet fermé pour Bordeaux-Marseille. Ulrich Cramé, Franck Jurietti, Marc Planus, tous les joueurs sont là sauf du côté des Girondins. David Gemali blessé, Cyril Roll suspendu du côté des Marseillais. Barthez bien sûr et Meïté sont suspendus. Les Marseillais, alors on l'a dit tout à l'heure Franck, même si on reste avec, c'est vrai, le son d'Éric Poula, le gardien, l'arbitre de ce match. Franck, on l'a dit, le gardien c'est Jérémy Gavanon du côté marseillais. Une équipe aussi avec l'envie des Bordelais de marquer, c'est vrai. Une équipe de Marseille à vocation offensive. Oui, l'équipe de Marseille justement à vocation offensive, on l'a vu. C'est quand même Peggy Luyunula qui va jouer. Marley, Batles, Chirou, Fiorez à droite. Pedretti sera juste derrière. Donc on sent cette équipe de l'OM qui a envie justement d'aller chercher par une victoire une place en UEFA, même si on sait qu'il n'est pas un maître de son destin à l'heure actuelle. Mais en tout cas, des désirs offensifs affichés, c'est indéniable. L'arbitre du match, vous l'avez vu, avec les deux capitaines, Éric Poula, et puis les deux entraîneurs, Éric Bédouet, puisque Michel Pavon est toujours souffrant, et Philippe Troussier, deux hommes qui se sont longuement entretenus tout à l'heure dans le paddock du stade Jacques Chaban-Delmas, qui ont joué ensemble deux saisons au stade de Reims dans les années 80. On l'a dit aussi, Franck, mais il faut le rappeler, cette équipe de Bordeaux doit absolument emballer le match. Elle ne doit pas compter sur les autres. Elle doit tout de suite mettre cette équipe de Marseille un petit peu dans sa poche, c'est-à-dire marquer le plus vite possible. Bien sûr, mais je pense que les deux équipes sont animées de ces intentions, Denis. Marseille aussi, dans leur cas, s'ils arrivent à mettre la pression d'entrée de jeu sur l'équipe bordelaise et la faire douter. On sait que le public bordelais est venu ce soir en masse, il faut l'admettre, mais il est aussi versatile, il attend beaucoup de cette équipe. Donc deux équipes à mon avis, je pense que ça devrait être un match en fait tactique à ce point de vue-là. Vincent Alix. Oui, avec Éric Bédouet. Quel était le discours, les derniers mots dans les vestiaires tout à l'heure, Éric? Je crois qu'il faut rassurer les joueurs parce que c'est un match compliqué. Notre saison, on va jouer pratiquement sur un match, donc il faut essayer de les rassurer, de garder tous les éléments qu'on a travaillés, qui sont simples, qui sont essayés d'être rigoureux dans le jeu, de bien se positionner, de ne pas se mettre de pression supplémentaire, parce que c'est un match qui va être difficile. Le début de match ? Le début de match est important, on ne fait pas n'importe quoi, il faut se rassurer, il ne faut pas s'emballer, il faut rester un petit peu bien groupé, et puis petit à petit faire monter la pression tout doucement. Deux équipes, Franck aussi, qui sont un petit peu dans le flou, hein, que ce soit dans le présent, dans l'avenir, dans les coulisses, que ce soit à Bordeaux avec Jean-Claude Darcheville ou à Marseille, on ne sait pas trop où ces deux clubs vont aller la saison prochaine. Non, c'est vrai Denis, c'est pour ça justement que les joueurs doivent vraiment se concentrer sur ce match. C'est un match très intéressant à jouer. D'un côté on évite la relégation, de l'autre côté on va chercher une place en UEFA, donc beaucoup d'intérêt ce soir. Les deux clubs qui n'ont pas gagné depuis 8 matchs, depuis le 12 mars dernier. C'était Bordeaux-Saint-Etienne pour les Bordelais 2-0. Et puis Marseille-Lens 2-1 avec un doublé de Steve Marley pour Marseille. Coup d'envoi qui sera donné dans quelques instants par Monsieur Poula. Il fait très très chaud aussi, Franck. C'est un paramètre important, bien sûr, dans un match pareil. C'est étouffant. Nous sommes en fin de saison, mais en fait, au mois de mai, comme ça, c'est une chaleur étouffante. Les organismes risquent de souffrir, surtout en deuxième période. Là, ça va aller, les joueurs vont jouer sur leur fraîcheur, mais c'est effectivement à prendre en compte. Laurent Batles qui s'est longuement entretenu avec Denis, le président Trio. Oui, Vincent. Voilà, on est sur le banc marseillais avec Philippe Troussier. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs sur ce début de match, dont on sait qu'il est très important aussi pour Bordeaux? La preuve de notre succès, c'est bien sûr la victoire. Donc, être invité par des intentions offensives, parce qu'on se doit de gagner si on veut espérer d'être européen ce soir. Donc, on sait en même temps qu'on va jouer une équipe qui bien sûr, elle, joue sa survie en première division. Donc, c'est un match qui va être très disputé, mais nos intentions seront, j'espère, aujourd'hui très, très récompensées. Ça se voit tout de suite. Merci, Philippe. Ah oui, avec un match qui est parti à 100 à l'heure pour les Marseillais et presque une occasion pour Steve Marley d'aller défier Ulrich Cramé, mais il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans son contrôle et les Bordelais en ont profité. Heureusement pour eux avec Mavouba qui a décalé sur le côté. Le jeune Marange, Meriem qui redonne à Riera. Riera et finalement c'est une protection de balle d'Abib Bey qui a été avec Fabien Barthez très certainement l'une des grosses satisfactions marseillaises de la saison. Allez, le premier but de Lille de la soirée, il est à Monaco, David Berger.
Oui, à peine une minute de jeu, exactement comme au match aller. Et le même homme pour Monaco, c'est Chevanton qui avait été le premier buteur finalement du championnat de France. Chevanton qui avait marqué après deux minutes de jeu à Geoffroy Guichard et qui l'a sur la première véritable offensive monégasque. Tout sourire. Chevanton qui permet à Monaco d'ouvrir le score très prématurément. Les supporters monégasques derrière le but de Jérémy Jeannot sont aux anges. On va revoir cette action avec une très mauvaise relance de Loïc Perrin qui est supplé aujourd'hui, Zokora qui est suspendu, et la bonne tête de Chevanton. 1-0, 100% de réalisme pour les monégasques dans cette dernière journée du championnat de France. Et un but marqué après une minute de jeu. Coup d'œil sur le classement pour constater qu'après cette minute de jeu, Monaco chippe la deuxième place, revient à hauteur des Lillois. Même nombre de points, différence de but favorable néanmoins aux Lillois, toujours deuxième pour l'heure. On retourne à Bordeaux, Denis Franck. Avec un coup franc au bénéfice de Fabrice Fiorez qui a été accroché par Rio Mavuba. Oui, un tacle un petit peu en retard justement de Rio Mavuba. En tout cas, à l'heure actuelle, en ce début de rencontre, on a vu dans un premier temps Marseille essayer de bien engager, d'aller chercher dans l'espace de façon à presser. Mais les Bordelais ont su intelligemment se ressaisir, je dirais, remonter. Et à l'heure actuelle, il y a Meriem qui touche beaucoup de ballons, on le voit bouger, il offre des possibilités à ses partenaires et surtout il organise le jeu. Taïwo qui cherche Steve Marley, il l'a trouvé. Steve Marley qui fait son retour dans cette équipe marseillaise avec le centre de Marley, repoussé par Capsis. Planus maintenant qui a laissé à Ramé une petite mésentente avec son gardien. Attention aux fautes de concentration. Je profite, Denis, de cet arrêt de jeu pour vous montrer les images de Lyon. C'est le seul match qui n'a pas commencé ce soir en Ligue 1 avec des Lyonnais aux coupes de cheveux décidément très très surprenantes. On va élargir un peu le plan pour constater que Claudio Cassapa est en bleu, blanc, rouge, le capitaine lyonnais. Les remplaçants bordelais, vous les avez vus avec Bruno Chéroux, un de ses premiers ballons. Bruno Chéroux rattrapé par Lasland. Bruno Chéroux qui essaye d'ouvrir vers Batles. Il y avait Planus. Meriem, Lasland qui recherche Faubert et Darcheville. Darcheville la frappe, tir croisé qui va aller mourir à côté de Jérémy Gavanon. Mais c'est bien pour Jean-Claude Darcheville, un petit peu la tête de turc du public bordelais qui se met en confiance bien par sûr, ce tir, même s'il n'est pas cadré. Un superbe ballon de Kamel Meriem, un ballon avec de l'effet. La course justement de l'attaquant bordelais était très très bonne, je veux dire sur le côté droit. Son tir est un peu écrasé et trop croisé. Mais c'est exactement le type d'action qui peut mettre en difficulté la défense marseillaise. Et Franck, un joueur comme Kamel Meriem qui a été au diapason de ses coéquipiers, c'est-à-dire assez mauvais quand même parce que cette équipe de Bordeaux est mal classée, on l'a vu. C'est le genre de match, Franck, où un joueur comme Meriem, avec toute sa technique, avec tout son potentiel, doit se montrer. Il l'avait fait contre Monaco, il est en train de le faire. Ça montre aussi à ses coéquipiers l'exemple qu'il faut suivre. Bien sûr Denis, mais en tout cas il est en train de réaliser un bon début de match. Kamel Meriem, il joue juste dans ses passes. Concernant vos premiers propos, c'est vrai que c'est toujours difficile lorsqu'on fait partie d'un collectif et qu'il y a du mal à s'imposer, de sortir la tête du lot en étant justement un joueur capable de faire la différence, en étant un individualiste. Donc on le sent revanchard, je dirais, sur ce début de rencontre. Meriem, là il s'est fait contrer par Taïwo, Bruno Chéroux jusqu'à Batles. Batles en retrait avec Frédéric Déhu. On permute en ce moment du côté de Marseille, Denis, entre Batles et puis Pedretti. À tour de rôle, il y a un joueur qui vient chercher le ballon et l'autre l'appelle en profondeur. Et Marley avec Capsis, la touche pour l'Olympique de Marseille. But, deuxième but de la soirée, il est sur la pelouse d'Istre, Xavier Giraudon. La joie, la surprise, elle est du côté istrien avec Rafik Saifi, embrassé par ses partenaires, Lantane et Kekanez, on vous avait dit en début de retransmission que ce serait peut-être le match le plus difficile des quatre pour les Normands. Il n'est pas hors jeu, Rafik Saifi, il dribble planté et vient marquer 1-0. Énorme surprise et avantage pour les Istriens, eux qu'on disait en vacances. Et bien la réponse, elle est sur le terrain, c'est Rafik Saifi qui marque 1-0 pour Istres ici face à Caen. Et qu'il est important, Xavier, ce but, parce qu'il propulse pour l'instant les Canets en Ligue 2. Coup d'œil sur le bas du classement alors que les images de Nantes s'affichent sous vos yeux. Coup d'œil sur le bas du classement, Bastia pour l'heure est sauvé. Caen est en position de relais avec Nantes, Cyril Linette. Nantes où le score est toujours de 0-0. Il faut noter que on file rapidement à Ajaccio, Cyril, pardon. Oui, avec l'ouverture du score après 6 minutes de jeu dans cette première période en faveur des Sochaliens sur le premier contre et la première mésentente défensive des joueurs de Roland Courbis. Et bien c'est Sochaux qui ouvre le score par l'intermédiaire de Kader et Sochaux qui mène ici sur le score de 1-0.
Merci Philippe, on retourne immédiatement à Nantes en regardant à nouveau le classement de Ligue 1. 3 buts déjà marqués dans les 5 premières minutes, c'est parti sur des bases très très élevées avec pour l'instant deux clubs en position de relégable qui sont Caen et Nantes. L'information que je voulais vous donner, Stéphane, alors que le score est de 0-0 ici à la Beaujoire, c'est que les Nantais ne se tiendront pas au courant, a priori, des autres résultats jusqu'aux 10 dernières minutes de ce match, histoire bien sûr de se concentrer sur leur performance. Match équilibré pour le moment, des demi-occasions de part et d'autre, beaucoup de tension, beaucoup d'ambiance aussi à la Beaujoire, un public à qui on reproche d'être parfois un peu trop spectateur, d'être un peu trop amoureux du beau jeu. Nantes ne doit pas bien jouer évidemment aujourd'hui, mais doit gagner ce match. Ballon pour Signorino. Signorino qui relance et intervention de Seto pour les Nantais. Nantes qui domine quand même territorialement ce début de rencontre. Savino qui joue milieu de terrain, petit pont ici sur Aubragnac. Aubragnac qui se bat et qui va récupérer le ballon pour les Messins. Mais coup franc sifflé par Pascal Vieo à l'avantage des Nantais. Un coup franc que va jouer l'Ivoirien Gilles Yapi. On sait que Nantes ne marque pas beaucoup ce match, mais aux prises deux des plus mauvaises attaques de la Ligue 1. 33 et 32 buts respectivement, c'est très peu en 37 journées. Yapi au coup franc. Et a priori une intervention tranquille de Grégory Vimbé pour les Messins. Et Vimbé qui relance. Directement vers Sébastien Renoir. Intervention de Lobo pour Nantes. Yapi. On va peut-être demander à Dominique Armand qui suit ce match depuis le bord du terrain ses impressions de bande touche. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les Nantais ont pris le match par le bon bout. C'est notamment sensible dans le domaine défensif, dans le domaine de la récupération du ballon, où ils jouent très haut et ils récupèrent très très vite le ballon. Ils sont très agressifs. Ensuite, dans l'utilisation, c'est leur style habituel. Un redoublement de passes. Et pour l'instant, on est plutôt satisfait sur le banc, même si évidemment les visages restent extrêmement tendus. Pour le moment, il n'y a pas eu d'occasion nette néanmoins, mais c'est vrai que le banc, avec Serge le disait, avec Giorgio, est pour le moment assez calme. Ballon en retrait vers Mauro Seto. Yapi. Alors Nantes qui est privé de joueurs importants pour ce match. Dimitrijević, le jeune serbo-monténégrin qui a été exclu à Sochaux. Jérémy Toulalan, bien sûr, sans doute le meilleur joueur de la saison nantaise. Olivier Quint, qu'on a entendu tout à l'heure dans notre tour des stades et qui est gravement blessé. Ça fait beaucoup d'absence, surtout dans le domaine offensif, surtout dans le domaine du milieu du terrain et de l'organisation. Manque également le Roumain Kecheru, capable de marquer des buts. L'ambiance à la Beaujoire, vous le voyez, elle est là, elle est présente. Le public s'efforce de se faire entendre en espérant bien sûr que ça suffira. Ballon pour les Messins avec un dégagement de Grégory. Et on rappelle, Cyril, que si Nantes marque au moment où l'on se parle, Nantes revient dans une position de maintenue en Ligue 1. A priori, les Nantais, Stéphane, ne le savent pas. S'ils sont conformes à ce qu'ils ont décidé, ils ne vont pas prévenir leurs joueurs. Le banc de touche lui-même a décidé d'être étanche, d'être opaque par rapport aux résultats de la soirée, en attendant donc vraiment les dernières minutes de ce championnat. C'est un groupe totalement traumatisé qui en début de semaine expliquait qu'ils se sentaient tous beaucoup plus proches de la Ligue 2 que de la Ligue 1. Et puis on a senti au fur et à mesure que les jours passaient que la perspective du match les amenait un petit peu à se reconcentrer sur leur football et à jouer leur dernière carte à fond. L'objectif pour Nantes avant tout, c'est de gagner ce match, quels que soient les autres résultats, pour au minimum bien sûr, on ne va pas dire ne pas avoir de regrets, parce que des regrets il y en aura toujours à l'issue de cette saison, mais au minimum avoir le sentiment d'avoir fait son boulot jusqu'au bout. Le pire des scénarios sans doute pour Nantes serait d'être relégué en n'ayant pas gagné ce match. Merci Cyril, ce sont les anciens grands rivaux des Nantais, les Stéphanois, qui viennent de marquer, David Berger. Eh oui, l'égalisation stéphanoise après 9 minutes de jeu. Ils avaient complètement raté leur entrée en matière, les Stéphanois, un petit peu paralysés, peut-être par l'enjeu, en tout cas très mou. Et les Monégasques en avaient profité. Mais là, c'est Julien Sablé, le capitaine, qui dédie encore ce but, bien sûr, à sa maman, qui avait disparu il y a quelques années. On va revoir ce centre de Pascal Faindouno pour le 5e but cette saison de Julien Sablé au deuxième poteau, libre de tout marquage. L'égalisation, le match est relancé un partout entre Monaco et Saint-Etienne. Merci David, on file à Bordeaux, Denis Balbière, Franck Sauzet. Et toujours 0-0 bien sûr ici au stade Jacques Chaban-Delmas, mais une équipe de Marseille, Franck, qui met un petit peu le pied sur le ballon, c'est-à-dire qui fait bien circuler la balle, et on sent l'envie du côté des Marseillais de bien faire, de porter le danger vers la défense girondine qui est loin d'être très très sûre. On a vu Capsis quelquefois en difficulté. Oui Denis, c'est vrai, on sent effectivement dans cette équipe marseillaise on veut garder le ballon et essayer de trouver les attaquants dans des bonnes conditions. Bon, le petit reproche qu'on pourrait leur faire, c'est qu'il y a pas mal de latéralité à l'heure actuelle dans, je dirais, leur passe. Mais en laissant justement ouverts, sereins, ils sont en train de déployer leur jeu.
avec Meriem qui essaye de lancer d'Archeville, mais il y a Taïwo, le roc défensif marseillais avec les remplaçants de l'Olympique de Marseille. On aperçoit Bamogo, Coquet bien sûr, et puis Pegar Fuxad, Laurent Spinozzi, l'entraîneur des gardiens entre autres, qui était sur le banc. Et Jean-Claude d'Archeville qui attend lui les bons ballons. On l'a vu tout à l'heure frapper assez largement à côté de la cage de Gavanon, c'est vrai. Mais il attend pourquoi pas le déclic. Il avait marqué un but extraordinaire contre Saint-Etienne lors de la dernière victoire bordelaise ici. Meriem qui redonne à Mavouba, le seul joueur de champ qui a joué tous les matchs. Riera, fin de centre. Le voilà, le petit centre dosé pour l'Aslan. La tête qui ne lope pas Jérémy Gavanon. C'était une tête placée, puis un drapeau surtout qui était levé pour sanctionner une position de hors-jeu. Oui, sur ce centre, on voit très nettement qu'il y a l'instant et est hors jeu. Maintenant, concernant Bordeaux, Denis, on les sent aussi très concentrés dans le domaine défensif. Le bloc collectif fonctionne bien. On ne veut pas surtout se découvrir et prendre un contre. Et c'est eux-mêmes, les Bordelais, à l'heure actuelle, qui jouent finalement un petit peu en contre. Merci Denis et Franck. On file au parc PSG Rennes. Pour l'instant, Rennes est accroché à sa quatrième place. Éric Bénard et Michel Hidalgo. 10 minutes de jeu, 0-0. Et ça suffit pour l'instant pour le stade rennais. Pas vraiment d'occasion dans ce match, hein, Michel. Match qui s'équilibre de part et d'autre au milieu de terrain. Il est équilibré depuis la première minute. Hein. Mais on voit les deux équipes qui ont de bonnes intentions. Et c'est vrai qu'il y a un désir de vaincre, de gagner ce match des deux côtés. Coup franc pour le stade rennais qui évolue dans ses couleurs habituelles à l'extérieur. Coup franc tiré par Wadou qui va rechercher Olivier Monterrubio et la balle de contre. Non, pas pour longtemps. Les rennais de nouveau avec Sorlin. C'est la même équipe que la semaine dernière contre Strasbourg, c'est-à-dire que Sorlin a été préféré à Perrier-Doumbé arrière droit. Eric, un autre but marqué sur la pelouse d'Ajaccio. Philippe Genin. Et après 13 minutes de jeu, c'est l'égalisation pour l'AC Ajaccio, la formation de Roland Courbis, grâce à cet homme que vous avez vu furtivement, le Brésilien Lucas, le meilleur réalisateur du championnat de France désormais, avec 8 buts inscrits de la tête. Meilleur réalisateur de la tête, bien sûr, et surtout le bonheur de l'AC, parce que pour l'heure, ça fait un but partout. On va jeter un œil sur le bas de tableau, le classement de ce bas de tableau en retournant au Parc des Princes pour Paris Saint-Germain-Rennes. Coup d'œil pour constater que Caen et Nantes sont en position de relégable. Bastia n'est sauvé que par sa différence de but et Ajaccio a un tout petit peu de marge. Et au Parc, toujours 0-0, donc entre le Paris Saint-Germain et Rennes. J'étais en train de vous dire que côté Rennes, c'était la même équipe que la semaine dernière, avec Sorlin arrière droit à la place de Perrier-Doumbé. Et côté parisien, bah, y a quand même quelques absences, puisque devant Letizy, qu'on vient d'apercevoir, Yepes est absent, Pierre Fanfan est blessé, Yepes est avec la sélection colombienne, et c'est donc Badian et Tsana qui jouent en défense centrale. Fournier avait l'habitude de les associer ensemble en réserve, mais c'est un petit peu inédit quand même à ce niveau-là. Coup franc pour le stade rennais pour cette faute de Jérôme Rotten sur Olivier Sorlin. Alors Sorlin qui a signé à Monaco et Maoulida va faire de même lundi après-midi. Et le président QF nous disait que Rennes allait faire un effort financier pour combler ses départs côté droit. Alors attention, dangereux, là. Occasion là, Michel, ah, peut-être. Oui, hein. Oui. Là, il va... Et on... Depuis le départ, d'ailleurs, on voit une équipe parisienne très compacte en défense. Seul Paoletta joue en pointe. Coup franc tiré par Olivier Monterrubio. Et ce ballon qui passe juste au-dessus de la transversale, la tête d'Étienne Didot, qui avait marqué son premier but la semaine dernière en Ligue 1 contre Strasbourg. Ça a dû être dévié. Elle a été touchée, cette balle. Ça donne donc un... On va peut-être mieux le voir, là, ici. Oui, ça fait... Billard. Allez, corner à suivre pour le stade rennais. Olivier Monterrubio toujours pour le tirer. La deuxième occasion de suite pour les rennais. Monterrubio du gauche et la bonne sortie, la belle prise de balle de Lionel Letizy. Merci Eric et Michel. On file à Auxerre-Lille. Philippe Doucet, le Suisse match avec Olivier Rouillet. Et c'est un match extrêmement vivant entre les deux équipes, un petit peu comme on s'y attendait, très ouvert. Les Lillois ont eu tout à l'heure par Odem Wingi une superbe occasion. Et puis il y a eu cette réplique à l'instant de Benjani de la tête, un très bel arrêt de Silva, Olivier. C'est un match très agréable. Exactement, Philippe, c'est très agréable parce que les deux équipes se livrent à fond, jouent vers l'avant. Il y a quelques erreurs techniques, notamment de la part de Grichting du côté d'Auxerre. Mais en tout cas, ce sont deux équipes qui ont envie de finir le championnat en toute beauté. Avec Radet qui dégage au loin ce ballon qui va tomber sur la tête de Tavlaridis. Un duel avec Dumont, le capitaine nordiste qui laisse échapper un ballon que Benjani convoite.
Et Vitakic qui préfère passer par Tony Silva, son gardien. Et Angbois à la relance, qu'on a vu beaucoup en attaque, alors que Bodmer, lui, on le voit assez replié pour l'instant à l'origine des actions lilloises, comme ici avec Makoun. Et on repasse par derrière, c'est le moment le plus calme de ce début de match, je vous rassure. Oui. Car depuis le début, c'était très vivant. Il y a déjà eu quatre occasions très nettes dans ce premier quart d'heure. Voyons, ces Lillois vont, avec Mathieu Dubuchy, retrouver le goût de l'attaque. Un quart d'heure de jeu sur les pelouses de Ligue 1. Philippe Doucet, on constate que 5 buts ont été marqués dans 3 matchs seulement. Un partout entre Ajaccio et Sochaux, un partout entre Monaco et Saint-Etienne. Les victoires pour l'instant d'Istre sur Caen 1-0. Et du côté de Auxerre, toujours 0-0. Et voilà le sixième but, Philippe, il est à Bordeaux, importantissime de Libalbir. Avec l'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux, et c'est le meilleur buteur en activité du championnat, Livien Lasland, qui frappe de la tête un centre de Riera au geste technique magnifique et précis. Lasland qui ouvre le score pour les Bordelais 1-0. C'est le but de la délivrance face à une équipe de Marseille apathique sur ce coup-là. On va revoir avec François Charles Bidot le ralenti. Franck, ouais, quelle action surtout, Girondine. Surtout belle ouverture de Rio Mavuba. Et là, regardez le travail, regardez l'artiste. Passement de jambes, on embarque sur la droite, on revient sur la gauche. Et ce centre du pied gauche qui est littéralement déposé sur la tête de l'avant-centre, vous l'avez dit, le meilleur buteur en activité, Lilian Lasland. Il se couche tête décroisée avec un rebond. C'est magnifique dans la conception. Regardez ces images. Riera, ce superbe centre plat du pied, il ouvre le pied. Et c'est littéralement un cadeau. Il dépose le ballon sur la tête de Lilian Lasland. Superbe tête décroisée, bien vu. Bien vu, 118e but en Ligue 1 pour Lasland, et on a vu la collade avec Eric Bédoué et Dominique Propsy. Car il faut dire que ce club on va à Auxerre, Philippe Doucet pour Auxerre Lille. Et pour un but refusé, je vois que vous êtes très vigilant, Stéphane, vous allez venir très très vite, mais et c'est tout à fait logiquement que Gilles Vessière a refusé ce but pour un hors-jeu lillois de Odemwingi qui avait pris le dessus sur Fabien Kohl. Donc toujours 0-0 entre Auxerre et Lille. On reste un peu avec vous, voilà. Philippe, parce que le but des Bordelais offre une nouvelle possibilité aux Auxerrois. Absolument, ça rapproche un tout petit peu les Auxerrois de cette Coupe de l'UEFA. Même si, encore une fois, c'est conditionné par les résultats de plusieurs adversaires. Mais les Auxerrois doivent gagner, en tout cas, cette rencontre s'ils veulent espérer s'offrir une semaine en avance, en quelque sorte, cette place en Coupe de l'UEFA. Ils auront encore une chance, rappelons-le, avec la finale de la Coupe la semaine prochaine. Mais ce sera un peu compliqué, la finale de la Coupe, parce qu'il y aura pas mal d'absents côté Auxerrois, notamment Bonaventure Kalou. Mais bon, il y a des négociations en cours et il se murmure que Benjani pourrait être là finalement, que Grichting serait probablement là, que Taigno sera à coup sûr là. Enfin bref, petit à petit, Giroud est en train de reformer une équipe. Akalé sera là. Akalé aura une dérogation de la Côte d'Ivoire. Enfin bref, l'Auxerre sera finalement bien au rendez-vous de cette finale, comme on ne pouvait pas en douter du reste face à Sedan la semaine prochaine. Pour revenir à ce match, donc on a déjà eu deux occasions de chaque côté. Olivier, c'est un match encore une fois très ouvert. Oui, très ouvert. On peut noter quand même que du côté de Lille, Odewingi, qui joue à la place de Moussilou, a une superbe occasion, vous l'avez dit tout à l'heure, un but refusé, mais il est quand même très dynamique sur tout le front de l'attaque. C'est lui qui cherche les ballons distribués par Bonnemer. Et aussi du côté de Lille, on a tendance à jouer sur le côté droit avec Debuchy. Avec Makoun qui a un ballon de relance, pas beaucoup beaucoup d'appui, si ce n'est Odemwingi, l'attaquant central, donc titularisé à la place de Moussilou et qui a bien failli servir un Bonnemer qui avait suivi l'action. Au contraire, c'est Violo, qui s'essaye à la relance, mais Dernis est intervenu. Makoun par-dessus avec Ambois qui monte bien souvent, suivi par Akalé. Dernis dans la surface de réparation qui essaye de pénétrer. Il est repoussé par Grichting, le Suisse, et on essaie de relancer vite, trop vite du côté de Baptiste. Ballon perdu. Merci Philippe et Olivier. On file maintenant à Nantes. C'est pour l'instant la grosse info du soir. Nantes qui n'a toujours pas marqué. Nantes qui est toujours en position de relégable, Cyril Linette. 0-0 entre Nantes et Metz. C'est un corner pour les Messins qui se sont créés il y a quelques minutes. La plus nette occasion de ces 20 premières minutes et de loin sur un contre rondement mené, une frappe de Renoir. On va suivre ce corner. On sait que les Messins sont habiles. C'est la meilleure équipe du championnat. L'une des deux meilleures équipes du championnat dans cet exercice. Très bonne équipe également de la tête. On va revoir d'ailleurs l'occasion ici
des Messins. C'était il y a quelques minutes avec Renoir qui va jaillir. Les Messins qui jouent en 4-5-1. On revient sur le corner, on revient sur le direct. On vous remontrera l'occasion juste derrière. Attention, ce ballon repoussé difficilement par la défense nantaise. Et finalement, cette prise de balle de Mickaël Landreau qui va relancer immédiatement vers Gilles Yapi. Écoutez la Beaujoire qui rugit. Peut-être une occasion pour les Nantais. Yapi, Yapi avec Darocha. Diallo et Bakayoko, c'est le duo malien dans la surface de réparation côté nantais. La remise de Bakayoko vers Diallo et un nouveau corner, cette fois en faveur des Nantais. Non, estime Pascal Villéo, il va donner sortie de but au Messin. Il semble que ce ballon ait été retouché par Diallo. On va revoir l'occasion précédente, me dit-on. But, but à Bordeaux, Denis Balbir, Marseille revient dans le coup. L'égalisation marseillaise par l'intermédiaire de Peggy Louyindoula. Peggy Louyindoula qui a profité d'une erreur défensive bordelaise et puis d'un bon service de Fabrice Thiorez. On va retrouver tout ça avec le président Trio, bien sûr abattu. Peggy Louyindoula qui a marqué ce but. Regardez cette touche de Taïwo, Franck, et puis le bon travail de Fiorez. Exactement, le bon travail de Fiorez qui fait opposition, il met son corps en opposition avec le défenseur. Bonne prise de balle également de Peggy Louyindoula et cette frappe du coup du pied croisé et qui bat le gardien bordelais. Et oui, une faute un petit peu de capsis sur Fiorez, une faute d'inattention de capsis. Le grec qui permet à Louyindoula d'égaliser. Bordeaux et Marseille qui sont donc à égalité à un but partout après 22 minutes et 18 secondes de jeu. Un but partout entre Bordeaux et Marseille. Tout est à refaire encore pour les Bordelais qui ont maintenant la touche avec Planus, servi par Jurietti. Une équipe de Bordeaux qui doit absolument, on a vu qu'en attaque Jean-Claude Darcheville avait faim de ballon d'attaque, avait faim de confiance et de but, mais c'est maintenant Marseille qui est à l'attaque avec Bruno Chéroux qui conduit le ballon vers Steve Marley peut-être, alors que Louyindoula est en position de hors-jeu. Bruno Chéroux qui n'a pas été accroché par Planus, c'est un tacle propre, une relance ce qu'il était aussi, mais juste est-ce que Pedretti écarte le danger, écarte ce ballon vers Steve Marley, peut-être une occasion marseillaise encore avec Marley qui est en position de frappe peut-être dans cette trop latérale, et lorsque en plus il voulait passer ce ballon, et bien Bruno Chéroux était blessé. Récupération bordelaise qui n'en a rien à faire, que Bruno Chéroux boite pas parce que Jean-Claude Darcheville veut marquer un but encore. Jean-Claude Darcheville qui regarde le positionnement de Meriem, il l'a vu, Kamel Meriem, l'ancien de l'OM qui va frapper. C'est une petite balle qui était à destination de l'Aslan, mais Pedretti était là à l'interception. Oui, on pensait en fait qu'il allait frapper au but. Eh bien, il a trompé tout son monde, il voulait adresser un centre à destination de Jean-Claude Darcheville. En tout cas, Marseille a marqué, allez, on va dire au bon moment, Denis, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'OM avait été réellement dangereux sur le but bordelais. Et c'est un but qui risque de leur faire quand même beaucoup de bien, surtout de les remettre un petit peu plus en confiance, parce qu'on ne les sentait pas réellement déterminés, surtout au niveau offensif. Pedretti avec Frédéric Déhu. Frédéric Déhu qui regarde encore le positionnement de ses attaquants, Bruno Chéroux. Denis, un coup d'œil sur le classement, hein, s'agissant de la Coupe de l'UEFA, c'est le statu quo complet. Les quatre clubs concernés font tous pour l'heure match nul. Avec une touche pour l'Olympique de Marseille, une équipe de Marseille, c'est vrai, qui trottine un petit peu, mais qui s'est présentée une fois face à Ramé, ça a été suffisant. Louyindoula qui avait déjà marqué lors de la défaite marseillaise au Vélodrome contre Caen, a mis ce ballon au fond des filets. Taïwo, Planus... Marc Planus qui tente une relance propre vers la stande, c'est intercepté encore DU, mais Rio Mavouba est à la retombée, lui qui jouera le match amical France-Hongrie à Metz. Et Marange n'obtiendra pas la touche, c'est au contraire Ferreira qui va l'obtenir, cette touche pour cette équipe de Marseille qui, je vous le disais tout à l'heure, n'a plus gagné ici à Bordeaux depuis la saison 77-78. C'était le 1er octobre 77 sur le score de 2-1. Et depuis, 16 victoires de Bordeaux et 3 matchs nuls. Attention avec la course de Steve Marley, toujours volontaire. C'est un ballon qui est sorti en corner, car il n'était pas sorti avant que Steve Marley le frappe. Et Planus a bien concédé le corner. Lévi Viano l'a signalé tout de suite à Eric Poula. C'est un corner pour l'Olympique de Marseille. Oui, Taïlo qui avait adressé un long ballon à Steve Marley. On pensait que la balle était perdue, mais... c'est bien ce qu'il a fait, bonne course, il s'est battu, centre, et il obtient le corner. C'est ce qu'aime, hein, ses valeurs de course, ses valeurs de volonté, c'est ce qu'aime le public marseillais, les supporters qui sont venus en nombre. Attention à ce corner de Batles avec une combinaison pour Pedretti, la volée, elle est écrasée, mais elle était quand même belle avec Faubert maintenant qui repart en contre. Faubert avec Meriem peut-être, qui choisit la gauche finalement avec Riera. Oh, Riera qui rate le contrôle, le rebond lui a été fatal, et fatal également au contre bordelais. Ah, quel dommage Denis, parce qu'en fait il y avait vraiment un superbe coup à jouer. On voit sur les images de François Charbideau, effectivement, le ballon est un petit peu trop long, mais il y avait un 4 contre 3 à jouer côté bordelais.
Bruno Cherou, Fiorez, Pedretti. Allez, Pedretti qui touche beaucoup de ballons, hein. Il sent sa position est devant la défense et il distille le jeu, il fait jouer ses coéquipiers à l'heure actuelle. Encore Benoît Pedretti avec un ballon dans la profondeur. Peggy Luyindula, Luyindula, voilà. Ferreira peut-être qui est venu en soutien. Luyindula qui va le rechercher. Non, car il est serré par Capsis. Encore Luyindula. Peggy Luyindula qui tergiverse avec Pedretti. Pedretti et Batles, les Bordelais qui jouent un petit peu leur jeu sur Luyindula et sur Marley. Puis maintenant, bien sûr, avec le centre puissant de Taïwo. Fiorez, la volée et le but en direct de Fabrice Fiorez sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Éric Bédouet est abattu. La volée est tentée, elle est réussie. Elle trompe Ulrich Ramé. Marseille mène à Bordeaux 2-1. Et un autre but très important de Lille est marqué à Auxerre. Philippe Doucet. Et Lille qui mène à Auxerre 1-0 avec une réussite pour les Lillois. Vous voyez, ça enflamme le COP côté Lillois. Une superbe action, Olivier. Oui, qu'on détaille. Absolument, entre Ogewindi et... je suis perdu, c'est pas grave. En tout cas, la remise était parfaite. Cole ne peut absolument rien. Ce ballon qui frappe le poteau et qui vient franchir la ligne fatidique. En tout cas, le 1-2 avec Ogewinbi était absolument superbe. Et la frappe qui frôle le poteau. En tout cas, c'est une excellente réponse des Lillois qui quand même avait pris le dessus un petit peu, Philippe, dans cette rencontre. Ogewinbi qui vient de marquer son 4e but de la saison. Et c'est pas le moins important. Il permet à Lille de mener 1-0 à Auxerre et dans les conditions actuelles d'être le second du championnat, le second de Lyon. Merci Philippe, on retourne à Bordeaux, Denis. Oui, avec ce but de Fiorez, son 2e but de la saison avec Marseille, il avait marqué contre Nantes au stade de Vélodrome, Fabrice Fiorez, et un but plein de confiance de Fabrice Fiorez. Denis, plein de confiance, la réalisation, la conclusion est magnifique, mais surtout le but de l'Olympique de Marseille est superbe. On a vu la balle partir sur le côté droit, Peggy Luyindula garder la balle, justement la conserver, ne pas la perdre, un relais au milieu avec Pedretti, on écarte sur le côté le centre de Taïwo et cette reprise là bien évidemment du coup du pied avec un rebond un petit peu écrasé, mais la balle est dans la trajectoire du but et ça fait 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Ça prouve Franck rapidement qu'il y a des choses à faire à Marseille, parce qu'on voit Taïwo qui est un des pensionnaires de Roland Grandsart de la CFA. Ça prouve qu'il y a des bons jeunes, il y a Nasri qui est dans le groupe aussi. Ça prouve qu'il y a des choses à faire à Marseille. Il faudrait gagner en stabilité. On l'a vu tout à l'heure avec Philippe Troussier et Pape Diouf côte à côte. On a envie de voir cette équipe de Marseille en haut de tableau. On a envie qu'elle soit solidaire. C'était une image forte tout à l'heure à l'arrivée des joueurs. Philippe Troussier, Pape Diouf côte à côte sur le banc. C'était une image importante, c'est vrai. Et on voit cette équipe de Marseille qui mène à Bordeaux. Ça veut dire qu'elle sait faire des choses, elle sait faire des exploits, elle sait jouer au ballon. Denis Franck, pardonnez-moi, c'est aussi... Aussi la consternation maintenant sur le banc bordelais. Éric Bédouet d'ailleurs depuis le début du match demande à tout son groupe de participer au jeu. On a le sentiment qu'il sent que son équipe doute un petit peu en ce moment, même si elle est dans la surface de Guérin. Les Canets qui se relancent, Xavier Giraudon. Et le buteur maison qui fait parler la poudre, action fabuleuse encore de Cédric Angebar côté droit et qui est là pour calmer, cadrer, appliquer cette volée, peut-être celle du maintien, c'est bien sûr l'homme au 13 buts, Sébastien Mazur. Voilà les Canets logiquement récompensés de 20 bonnes minutes, ils n'avaient pas eu d'occasion mais ils reviennent logiquement au score un partout entre Istres et Caen. Et quand il repasse juste au-dessus de la ligne de flottaison, on regarde également le haut du classement, parce que pour l'instant, Marseille est bien quatrième du championnat, Denis. Les Marseillais, quatrième du championnat, qui continuent sur leur lancée, parce que cette équipe de Bordeaux est complètement sonnée par ce 2e but encaissé avec Luyindula pour Marley. Il n'y avait pas d'enjeu et Ulrich Ramé s'est jeté dans les pieds d'abord de Marley. Et en deuxième rideau, j'allais dire, il y avait Fiorez. Et Ulrich Ramé a réussi à prendre ce ballon. C'était vraiment un gros coup de chaud dans la défense bordelaise. Merci Denis, on va à Auxerre. Philippe Doucet, Olivier Rouillet. Avec les Auxerrois qui ont réagi dans la foulée du but lillois, on a pourtant craint pour eux un deuxième but à un moment. Et puis il y a cette action entre Kalou à Calais et à l'arrivée. La réussite pour Kalou, Bonaventure Kalou qui réussit une égalisation qui permet à Auxerre de se resituer dans ce match où les Auxerrois paraissaient un petit peu perdus. Et en plus ce but est joli, Olivier. Oui absolument, c'est vrai qu'on sentait que les Lillois avaient pris le dessus. Physiquement ils sont maîtres de la situation, les Lillois. Mais là sur un mauvais renvoi, on voit cette action menée par Akalé et Kalou, ce 1-2 qui va finir. Alors Akalé qui est avec le ballon, qui donne à Kalou, vous voyez ce 1-2 qui est parfaitement joué. Et à ce moment-là, Tlavaridis dégage mal le ballon, qui retombe dans les pieds de Kalou. Le pied est ouvert et c'est l'égalisation pour Auxerre. Un partout entre Auxerre et Lille. Passe plus
début, ils arrivaient à passer à centrer. Là, ils n'arrivent même plus. Cyril Linette à Nantes. Nantes où le match a tourné, Stéphane, toujours 0-0 entre Nantes et Metz, mais autant les Nantais avaient bien démarré dans le jeu, autant depuis un quart d'heure, ça va de plus en plus mal. La Beaujoire reprend ses encouragements, mais il y a eu quelques sifflets. Ce sont les Messins les plus déterminés, Metz qui joue bien défensivement, organisé en 4-5-1 avec un seul attaquant, mais qui jaillit également assez bien en contre-attaque. Les Messins un peu plus puissants, un jeu assez direct, Dominique, et c'est vrai que depuis le banc, on sent quand même que cette rencontre a vu ses données se modifier au fil des minutes. Effectivement, le jeu des Nantais qui s'est étiolé en début de match, on arrivait à amener le ballon sur les côtés, on avait des positions de centre même s'il n'y avait pas vraiment d'occasion à la sortie. On n'y arrive plus depuis un petit moment, on a même gâché deux coups francs tout à l'heure. Et on sent le doute s'installer dans les esprits. Il faut rappeler quand même que les Nantais restent sur des prestations dans le jeu très pauvres ici même face à Lille il y a quelques semaines. Et puis une défaite à Sochaux où les Nantais la semaine dernière avaient dominé pendant 60 minutes sans se créer vraiment beaucoup d'occasions. C'est vrai que le jeu nantais n'est pas productif depuis quelques semaines malgré le travail de Serge le disait. Les Messins, eux, restent sur des bonnes performances avec 11 points pris lors des 6 dernières journées. C'est ce championnat incroyable qui vaut aux Messins de ne pas encore être définitivement sauvés. Mais c'est vrai que Metz confirme quand même une impression positive montrée lors de ces dernières semaines. Ballon ici pour Sébastien Renoir avec Contou. Regardez Contou qui va passer en un contre un, c'est ce qu'on voit souvent. Contou vers Sekrier, remise vers Renoir, frappe de Renoir. Voilà, c'est le schéma type de ce qu'on voit depuis quelques minutes, même si les occasions ne sont pas nettes. On voit des Messins plus directs, plus déterminés, qui rentrent un peu plus dans le chou, pourrait-on dire, et qui sont tout près de s'approcher du but de Mickaël Landreau. Les Nantais, eux, ça tricote un peu en milieu de terrain, on les voit beaucoup moins à leur avantage. Ballon ici vers Bakayoko, s'est repoussé à nouveau par la défense messine. Match à but à Istres, Xavier Giraudon. Et les efforts canés sont vains pour l'instant, puisqu'après l'égalisation, regardez, c'est Istres qui reprend l'avantage. Un caviar de Rafik Saïfi et la volée de l'homme qui a été titularisé dans les toutes dernières minutes, Franck Chaussidière. Match course-poursuite, un match fou, comme souvent avec Caen. Et c'est Istres, une nouvelle fois, qui joue le jeu et qui passe devant. 2-1 pour les Provençaux. Merci Xavier, un but qui a pour conséquence au classement pour l'instant de remettre Bastia en Ligue 1. Thomas Guichard, qu'est-ce que les Bastiais font sur la pelouse de Strasbourg? Eh bien pour l'instant 0-0 après 32 minutes de jeu, un début de match difficile pour les Corses, légèrement dominé par Strasbourg, hein, dont on le rappelle la saison est terminée. C'est une partie de plaisir ce soir pour les Strasbourgeois. Les Corses ont eu du mal à rentrer dans cette rencontre et puis ils ont eu la plus belle occasion après 25 minutes avec une double occasion de Fabrice Jo, repoussé d'abord par Deveau puis par Kassar. On va suivre ce corner avec cette tête d'Adji Chimonda avec Song et l'arrêt de Kassar. Vous voyez les Corses qui, on le répète, hein, ne sont pas résignés. Ils veulent absolument l'emporter pour n'avoir aucun regret ce soir à Strasbourg. Mais pour l'instant, toujours 0-0 après 32 minutes de jeu. Merci. Merci Thomas. Un coup d'œil peut-être sur la rencontre Lens-Toulouse. On n'y est pas encore allé. Thierry David. Oui, avec l'ouverture du score à l'instant même, Stéphane, et elle est lensoise cette ouverture. Thierry David. Oui. Pour Lens-Toulouse. Oui, Stéphane. L'ouverture du score pour les Lensois, Stéphane. Avec le but de Daniel Cousin. Grosse occasion pour les Lensois. Et l'ouverture du score pour les Lensois. Elle est signée Daniel Cousin, déjà buteur la semaine passée sur la pelouse de Bastia. Lens qui mène 1-0 face à Toulouse. Et un but qui peut avoir des conséquences pour éventuellement remonter les Lensois au classement. On va derrière retourner à Bordeaux, retrouver Denis Balbir et Franck Sauzet, Bordeaux-Marseille. Et Marseille qui mène toujours sur le score de 2-1 ici au stade Jacques Chaban-Delmas. Mais les Bordelais ressortent un petit peu dans le match, reviennent un petit peu dans cette rencontre. Franck, on a vu tout à l'heure Jean-Claude Darcheville, on a vu l'Astland, Meriem. Mais attention au contre marseillais parce qu'on sent qu'il y a de la qualité chez l'Olympique de Marseille. Une qualité offensive indéniable avec Louis Ndoula qui crochette. Louis Ndoula un petit peu serré par Yo Mavouba qui peut repartir avec Meriem. Oui Denis, on s'aperçoit que les Bordelais commencent à trouver les espaces dans la défense marseillaise. En plus les milieux arrivent en appui. Hierard qui a un double contact et un contre favorable, il va s'arracher pour avoir ce ballon, mais Ferreira est le plus rapide. Hierard va aller tacler le ballon dans les pieds de Ferreira. Hierard impérial ce soir qui essaye bien sûr d'emmener ses coéquipiers vers l'égalisation par ses gestes, par la manœuvre qu'il dirige, qu'il essaye de diriger avec Bruno Chirou maintenant. Bruno Chirou qui essaye de passer Marange. Guillaume Avouba qui a pu récupérer, mais Bach laisse servir hors jeu. Et en tout cas, les Marseillais, Denis, à l'heure actuelle, qui utilisent à merveille, on l'a dit, Benoît Pedretti, mais on voit des garçons comme Chirou également, qui commencent à participer au jeu offensif. Il y a beaucoup de permutations et ça complique la tâche, bien évidemment, des Bordelais.
13 buts marqués ce soir en Ligue 1, messieurs. Et on va aller récapituler ensemble avec Jean-Jacques M. Salem et son équipe. 13 buts marqués, 4-0-0. Strasbourg-Bastia, PSG-Rennes, Lyon-Nice, Nantes-Metz. Et des Marseillais qui essayent d'attaquer, mais Marc Planus est là pour le contrer, redonner à Capsis, le grec, auteur d'une bonne entame de championnat qui, petit à petit, a plongé avec ses coéquipiers une équipe de Bordeaux qui a connu, par exemple, un mois de janvier terrible, une position de hors-jeu signalée pour Jean-Claude Darcheville et Jérémy Gavanon. Et toute la défense marseillaise va pouvoir se dégager malgré les efforts de Jean-Claude Darcheville. Eh bien, pour l'instant, Bordeaux n'arrive pas à trouver l'ouverture pour essayer de revenir dans le match au niveau comptable. C'est vrai qu'il y a de la volonté, c'est vrai qu'il y a de la qualité, mais regardez, les Marseillais vont très très vite avec Marley, avec Louis Ndoula, même si là ils vont bénéficier de la touche, les Bordelais, pour se dégager. Marange avec Riera, Mavouba regarde rapidement le placement de ses coéquipiers et il va servir Jurietti très loin vers Faubert, l'un des jeunes de la classe girondine, Meriem, qui va au contact et au combat. Mais Batles et Pedretti, le duo des milieux de terrain, est là pour le contrer et le contrarier dans ses essais répétés. Ferreira vers Batles. Laurent Batles, Ferreira, Pedretti. Et Pedretti qu'on retrouve encore, hein, Denis. Le métronome, ce soir. Absolument, absolument. Son rôle, je dirais aujourd'hui, c'est vraiment devant la défense. On a l'impression qu'il évolue dans le rond central et il distille les ballons proprement. Il met son équipe dans le sens du jeu. C'est bien ce qu'il fait à l'heure actuelle. Et puis à noter aussi, c'est important, l'ambiance qu'il règne ici, puisqu'il n'y en a pas du tout. C'est un match à guichet fermé, c'est vrai, mais les Bordelais, le public bordelais a été, comme l'équipe, complètement sonné par le deuxième but. Et c'est vrai que malgré les encouragements assez timides du COP bordelais, tout le monde attend une réaction sur le terrain pour essayer de se reprendre un petit peu, mais personne n'y croit. Mais c'est le mot, Denis, ils ont été sonnés. Ah, ils ont été sonnés. Absolument, ils ont fait une bonne entame de match et Marseille a su se ressaisir à un moment, on le répète, où on ne s'y attendait pas. Mais ils ont marqué ce premier but et après, donc, le deuxième qui leur a fait très très mal. En jeu de Louis Ndoula. Bordeaux sonné, Denis et Franck. Et puis une autre équipe sonnée, c'est Rennes qui, à distance, est en train de perdre son duel avec l'Olympique de Marseille, Eric Bénard. Pour l'instant, c'est vrai, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Donc Rennes doit marquer absolument pour retrouver cette place européenne. Alors il y a une petite image sympa tout à l'heure. Bruno Blachon est au bord du terrain, tout près de la Snowbologna. Et la Snowbologna s'est levé, Bruno, parce qu'il sait que vous avez les résultats de la soirée pour vous demander les résultats, hein, c'est ça? C'est-à-dire que pendant une demi-heure, il ne faisait absolument pas attention aux résultats, y compris de ses coachs adjoints qui se renseignaient toutes les 5 minutes. Mais là, au bout d'une demi-heure, il a compris qu'il y avait peut-être un danger ailleurs. Il est venu chercher tous les résultats qui l'intéressaient. Donc maintenant, il est au courant. Il sait que son équipe doit absolument marquer dans l'état actuel des choses. Et les Rennais qui poussent Michel Hidalgo, mais ce n'est pas une domination quand même. Non, c'est un match où on dirait le prix Nobel de la paix. Il n'y a pas de tir au but, il n'y a pas tellement de danger. On a l'impression que si on jouait tous les deux gardiens de but, on n'aurait pas eu non plus à encaisser. Non, ça joue gentiment, c'est bien. Chacun essaie de faire un jeu cohérent, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'offensives très, très percutantes. Allez, ici, peut-être avec Semak. Semak qui s'approche de la ligne des 16 mètres. Peut laisser la frappe de Pedro Paoletta qui est contrée. Jeune Champ va pouvoir dégager son équipe. Non, Semak encore. Sergueï Semak, on est bien groupé en défense côté Rennais pour Pancrate qui va essayer de remettre pour Semak et derrière les Rennais qui peuvent se dégager. Mais devant, il y a juste Alexander Frey, bien isolé au milieu de quatre Parisiens. Merci Eric, on va vous laisser entre apôtres de la paix et filer à Nantes pour Nantes, Metz, Cyril Linette. Toujours 0-0 et l'ouverture du score en direct. Écoutez la Beaujoire. Arrivé au Mercato, marque son quatrième but de la saison sur la première occasion nantaise depuis des lustres et sur ce centre de David Leray, but de Diallo et Nantes qui mène 1-0 pour le moment. Pour l'instant, bien sûr, c'est le but du maintien. Eh oui, Nantes n'est plus relégable. On regarde le classement du bas de tableau. Cyril Land, 43 points. Ce sont Bastia et Caen avec 42 points qui fileraient avec Istres en Ligue 2.
Effectivement, et du coup la Beaujoire évidemment reprend espoir et reprend ses champs, les ballons pour les Messins qui ont fait plutôt une bonne première mi-temps dans le jeu. On l'a dit et souligné l'intervention de Mickaël Landreau qu'on avait sans doute jamais vu aussi fermé, aussi concentré qu'avant le match de ce soir tout à l'heure lorsqu'il est sorti pour l'échauffement. Ballon pour Landreau qui va prendre tout son temps. Et la Beaujoire qui se remet à chanter, on l'a dit, près de 40 000 supporters, un public peut-être plus supporter que d'habitude. Les appels au peuple se sont multipliés cette semaine dans la presse locale, y compris de la part du maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui après avoir été assez critique, c'est vrai, sur la gestion des dirigeants du Football Club de Nantes, a sorti un communiqué pour appeler les Nantais à se mobiliser et à sauver leur club. On voit ici Jean-Luc Ripon, le président, Clébert Bobin, l'ancien président, à droite de l'écran. L'heure est pour l'instant au soulagement, mais on le sait, le fil est ténu. Ballon à nouveau pour les Nantais avec Gilles Yapi. Merci Cyril, on va rapidement à Strasbourg. Un bon coup franc, Thomas Guichard. Bastia est pour l'heure en position de relégable. Oui, et Bastia a la pression puisque Strasbourg l'a obtenu un coup franc juste à l'entrée de la surface. Vous voyez Pento concentré avec pour le tirer Ulrich Le Pen. Strasbourg qui a repris sa domination là depuis quelques minutes. Évidemment, on s'attarde sur Mamadou Niang, le meilleur buteur du club en l'absence de Mickaël Pagis, suspendu. Le coup de sifflet de Monsieur Tual, c'est parti et c'est renvoyé par Pascal Chimbonda. Toujours 0-0 donc pour le moment à la Méno, alors qu'il reste un peu moins de 4 minutes à jouer avant la pause. Merci Thomas, on va à Bordeaux. Denis, Franck, la pression monte sur les Bordelais. L'écart se resserre avec les premiers relégables. Oui, et puis l'un des adjoints d'Éric Bédouet, Pierrot Labatte, à l'oreillette, bien sûr, pour surveiller les scores qui évoluent de part et d'autre. Et c'est vrai que les Girondins de Bordeaux vont rentrer peut-être au vestiaire avec ce désavantage, Franck, et ça sera certainement très, très difficile. Le discours à la mi-temps sera très important. Le discours et le mental va jouer énormément. Bien sûr, c'est vrai que c'est mal engagé à l'heure actuelle, Pierrot Labatte, pour les Bordelais. On les sent un petit peu, je dirais pas incapables, mais inhibés à l'heure actuelle. Ils ont du mal à évoluer. Marseille est bien en place aussi, les gêne considérablement. Ben, le discours à la mi-temps, ce sera à mon avis un électrochoc. Quoi. Il faut vraiment aller au fond de soi-même, puiser dans ses réserves pour justement inverser le cours du jeu. Attention avec ce très très beau geste de Bruno Chéroux vers Steve Marley, récupération de Rio Mabouba. Il en récupère des ballons une tonne dans cette première mi-temps avec l'Aston qui est accroché par derrière, taclé par derrière. Sur Lilian Lastland, le buteur girondin pour l'instant du soir, un but très très important et un carton jaune pour Chéroux, comme Fiorez en a eu un tout à l'heure pour le même geste, c'est-à-dire un tacle par derrière plus maladroit que méchant. C'est un coup franc pour Bordeaux. C'est vrai Denis, je pense que vous avez raison, ce sont deux joueurs à vocation offensive qui viennent d'être avertis. Ils n'ont pas souvent, je dirais, l'habitude de se retrouver dans ce genre de position. Déjà, rien que de jouer, ils ont plus de la Oui, c'est vrai. C'est vrai, Denis, mais en plus, bon, il y a un désir d'aller chercher le ballon sur le tacle. C'est plus maladroit, effectivement, qu'intentionnel. Coup franc de Riera, c'est un coup franc qui peut être important. Maman Philippe Proussier parlait à ses hommes. Riera qui essaye de distiller un bon ballon, c'est récupéré par Rio Mabouba. La frappe avec dans les gants de Jérémy Gavano. Une petite hésitation et un ballon capté malgré tout en deux temps et une relance sur Pedretti. Ouais, une pure merveille cette frappe. Un pied gauche, regardez, demi-volée. La balle part droite comme un i. Ça commence à sentir un peu le roussi pendant ce ralenti. On va regarder la fin de cette belle frappe parce que c'est plus important qu'un carton jaune, mais il existe bien. C'est Lilian Lastand qui a été crocheté Benoît Pedretti et qui récupère aussi un carton jaune brandi par Eric Poula alors que Riera lui revient dans le rond central. Et premier changement, alors c'est dû à la blessure de Faubert qui se plaignait déjà de... Oui, hein, tout à l'heure à l'échauffement, on l'a vu se faire strapper. La tête du Pyrénées, oui. Ouais. Et c'est donc Francia qui apparaît juste avant la mi-temps. Francia qui va rentrer donc à la place de Faubert pendant que Lastand s'est fait avertir donc par Monsieur Poula. C'est confirmé, une équipe de Bordeaux à la recherche d'un second souffle et qui aurait bien besoin de se faire soutenir un petit peu plus que ça par ses supporters venus en nombre pourtant. Marange, Riera contrôle un petit peu long mais il s'est vite rattrapé avec sa technique. Riera qui a appelé le soutien de Darcheville, il n'a pas été entendu et faute de faire signaler par Monsieur Poula, ce sera très certainement l'une des
dernières actions de cette première période pour les Girondins de Bordeaux. Une action qui peut être importante, on l'a dit tout à l'heure, des Girondins qui ont eu l'habitude quelquefois d'encaisser des buts dans le temps additionnel de la première mi-temps ou tout simplement du match. Ça coûte des points en fin de saison. Regardez par exemple le but de Batles en début de saison lors de la première journée. Il coûte tout simplement la peur au ventre pour les Bordelais dans ce match avec Francia. C'est bien rentrant, mais Frédéric Déhu s'est élevé au-dessus de tout le monde. Ça retombe sur Jurrietti qui veut redistiller un bon ballon dans la surface de réparation et Fiorès dégage avec en plus une faute sur Habib Bey. Monsieur Poula a sifflé. Encore une minute dans ce match. Alors on sentait, Franck, des Bordelais bien sûr crispés, on sentait des Marseillais très décontractés et finalement la décontraction a payé. Oui, pour l'instant le match n'est pas fini, mais c'est vrai, ils ont laissé passer l'orage, on va dire, des premières minutes et puis après, tranquillement, ils se sont installés dans la partie. Ils ont surtout essayé de construire leur jeu, ils ont été justes, précis dans leurs intentions et à l'heure actuelle, ils mènent à la marque et on sent qu'ils perturbent réellement les Bordelais. Les Bordelais ont de plus en plus de mal à l'heure actuelle en cette fin de première période. Inévitablement, je pense que la mi-temps va leur faire du bien. Francia, le tacle dans les pieds de Jurrietti, c'était Marley qui voulait récupérer un ballon dans la profondeur avec un drapeau qui s'était levé pour sanctionner les positions de Marley, de Louis Ndoula, toujours à la limite du hors-jeu. Et là, ils étaient signalés en position de hors-jeu. Il y a un bon travail également des milieux marseillais qui récupèrent pas mal de ballons. Ils sont très compacts et lorsqu'ils l'ont récupéré en fait, eh bien ils explosent sur les côtés de façon à permettre le jeu d'évoluer. Ferreira, Meriem et M. Poula sifflent la fin de la première période. Merci de Denis. Marseille mène à Bordeaux 2. Tout de suite le Parc des Princes, Éric Bénard, PSG Rennes. Et on joue la dernière minute de cette première période, corner pour le Paris Saint-Germain. Les Rennais qui vont devoir, voilà, c'est la mi-temps là aussi, qui vont devoir se montrer plus conquérants en seconde période s'ils veulent arracher l'Europe. 0-0 à la mi-temps, Stéphane. Merci Eric, direction Ajaccio, Philippe Genin, Ajaccio, Sochaux. Et il y a 3 minutes de temps additionnel dans cette première période, toujours un but partout entre l'AC Ajaccio et Sochaux, des Ajacciens qui dominent ici avec Wada qui s'est fait subtiliser le ballon par Boudaren. Et voilà Monsieur Layet qui siffle la fin de cette première période avec ce score donc de 1 but partout entre l'AC Ajaccio et le Football Club de Sochaux. Merci Philippe, on récapitulera et nous reverrons ensemble tous les buts marqués. Philippe, on récapitulera et nous reverrons ensemble tous les buts marqués dans cette 37e journée de Ligue 1. Direction maintenant Lyon. On vous a peu entendu et peu vu Grégoire, mais c'est vrai que l'actualité ce soir est ailleurs, même si vous avez des images très colorées, assez cocasses. Oui, on a des images colorées et cocasses. C'est vrai Stéphane, pas vraiment de foot hein, parce qu'on joue depuis 44 minutes. Maintenant, on avait pris du retard au départ à Lyon tellement M. Kalt, l'arbitre, avait envie de prendre lui aussi du plaisir à l'entrée des Lyonnais sur la pelouse de Gerland. On a vu quelques occasions, on les reverra tout à l'heure dans le résumé de la mi-temps. Quelques occasions, mais pas franchement d'occasion de but pour les Lyonnais. Une reprise de Govou, un coup franc de Juninho qui espérait marquer son 14e but. En attendant, là, c'est Abardonado qui souffre avec les Niçois qui eux aussi ont sorti une fois la tête de l'eau, on va dire, dans cette première période avec une occasion pour Agali. Mais pas beaucoup de foot. On sent vraiment que tout le monde est en vacances. Ça manque un petit peu de rythme. Certes, les 40 352 spectateurs de Gerland poussent derrière l'Olympique Lyonnais. Il fait beau, la pelouse est belle, il fait chaud. Mais il faudra autre chose dans le rythme en seconde période pour que Lyon aille chercher ses 80 points. Ce record de points à l'issue d'une saison à 20 clubs avec la victoire à 3 points qu'espère toujours le président Aulas et Juninho et tous les Lyonnais. C'est vrai que c'est rouge, c'est vrai que c'est bleu, mais pour l'instant, ça n'a pas encore fonctionné en termes de jeu. Et pas vraiment d'inquiétude pour Damien Gregorini, le gardien de l'OGC Nice. Alors on va vous donner des infos aussi, des infos qui circulent autour de Gerland, même si on essaiera d'avoir du sûr ce soir avec le micro de Laurent Paganelli, avec le président Aulas, entre autres, qu'on essaiera d'avoir après le match ou dans le jour de foot. Mais c'est vrai que de plus en plus se murmure le nom de Claude Puel. Le président Aulas a dit qu'il le dirait peut-être pas demain. Une conférence de presse était prévue vers 17h et peut-être attendra-t-il, nous disait-il avant la rencontre, lundi, avant d'annoncer définitivement le nom du futur entraîneur de Lyon. En attendant Malouda, dans la surface de réparation, ce sera trop pour Sylvain Wilter. Voilà, c'est un petit peu l'image là, ce que vous venez de voir de cette première période avec des Lyonnais qui jouent relâchés, faciles, qui laissent s'exprimer leur technique. On voit ce beau centre de Malouda
devant Scotto. Mais il manque un petit peu de précision. C'est peut-être la précision qu'ils ont perdue dans leur agape et dans leur fête nocturne de la semaine à Saint-Tropez. Ça a été très arrosé, ça a été fêté. Ils ont même fait un match amical qu'ils ont remporté 7-2 contre Saint-Tropez, où on a vu Juninho jouer gardien de but, chacun jouait un poste inhabituel. Ça, ça a été la semaine des Lyonnais. Et c'est vrai que quand il faut retrouver le rythme de la Ligue 1, même face à des Niçois qui, on sait, sont maintenus, ils le savent depuis la semaine dernière, eux aussi sont un petit peu en vacances. Et ben, il manque le petit coup de rein, il manque la lucidité pour réussir le dernier geste. Alors pourquoi pas, juste avant la pause, on est dans le temps additionnel de cette première période. Le ballon pour Sidney Govou avec Anthony Réveillère. Et l'ambiance, vous l'entendez, de Gerland, il n'y a pas une place de libre. On est à guichet fermé pour la 15e fois cette saison en Ligue 1. Ça aussi, c'est une des nouveautés côté Olympique Lyonnais, qui s'est trouvé véritablement une base de public. Oh, c'est bien fait de la part de Juninho. Diarra qui ne peut pas frapper. Il va choisir la frappe du pied droit, du pointu. C'était la solution pour le Malien, avec Yves Colleux qui la voyait au fond, tout comme Paul Le Guen. Les deux Bretons qui vont donc quitter Lyon. On revoit la tentative, le pointu de Diarra au-dessus de la transversale niçoise. Très touchés les deux hommes. Ça aussi, c'est une image qu'on reverra tout à l'heure, d'une belle banderole dans le virage nord qui signifiait l'amour des Lyonnais pour Yves Colleux et pour Paul Le Guel. Né breton, mais Lyonnais à tout jamais. En attendant, à la pause ici, ça fait 0-0 à Lyon entre le Nice de Vaïrua et le Lyon, champion de France. Est-ce que Laurent Paganelli est prêt? Ouais, il est là, Laurent. Oui, Paga avec. Trouver un clown. Allez, Abidal. Allez, Abidal. Tiens. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es blessé? Ouais. Non, mais sinon, on en parlait de ça. Tu as un nez rouge, c'est super sympa. On a vu que vous avez préparé ce match la meilleure des façons. C'est un drop, tout ça et tout. Mais finalement, avec Nice, c'est une bonne opposition ce soir. Bah, c'est vrai que c'est important de bien finir, bien sûr. Mais on prend toujours les matchs au sérieux. Ça se voit, hein? Ouais. Même si, mais bon, ça c'est des fantaisies, c'est un peu l'amusement, mais sur le terrain, je pense qu'il faut respecter l'adversaire et continuer à être sérieux jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai, on a envie de voir des buts, et finalement c'est presque le seul terrain où il n'y a pas de but ce soir. Vous n'êtes pas arrangé avec Nice avant le match. Ils savent qu'ils sont sauvés quand même, ils le savent, non? Non, il n'y a pas d'arrangement, ils sont sauvés, c'est bien, mais bon, on se crée des occasions. Maintenant, on n'arrive pas à concrétiser, mais il reste 45 minutes, alors tout peut arriver. Le spectacle continue alors. Ouais. Ok, bon, mais allez, bon match. Merci, merci à vous, messieurs. Come together. Orange. Merci à vous, messieurs. C'est l'heure de la pause. C'est l'heure de revoir tous les buts marqués lors de cette première période de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Des buts, il y en a eu, même des buts qui comptent double. On va commencer par un but qui compte simple. C'est celui marqué par Lens face à Toulouse. Résumé de la première période avec Thierry David. D'abord, le récapitulatif des résultats de la première période pour constater que 13 buts ont été marqués lors de ces 14 même. Tiens, j'en ai oublié un. Marseille mène à l'extérieur. C'est la seule victoire à l'extérieur pour l'instant. 6 matchs nuls et puis très précieuse, notamment la victoire de Nantes sur Metz, mais nous ne sommes qu'à la 45e minute, on vous le rappelle. Lens-Toulouse, c'est le premier résumé que nous allons vous proposer, il est proposé par Thierry David. Mais Stéphane, une rencontre qui finalement ne vaut que par le retour de Daniel Moreira sous les couleurs toulousaines à Lens, et une rencontre entamée tambour battant par des Lensois qui veulent finir sur une bonne note devant leur public. Première occasion, 11 minutes de jeu, la frappe est signée Daniel Cousin, ça passe juste à côté. Début de Christophe Rebaud, une équipe de Toulouse qui elle de son côté aimerait bien effacer les 6 revers consécutifs subis en championnat dernièrement. Francis Gillot lui aussi aimerait offrir une dernière victoire à son public pour la dernière à domicile. 32 minutes de jeu, un ballon qui va parvenir jusqu'à Eric Carrière, le ballon est repoussé, reprise de Daniel Cousin et 1-0 pour le Racing Club de Lens. C'est le 9e but de Daniel Cousin en championnat cette saison, un but qui permet donc aux Lensois de mener 1-0 à la pause face à cette équipe toulousaine. Merci Thierry. Pour ne pas perdre le bénéfice de sa deuxième place et sa qualification directe pour la Ligue des Champions, Lille ne doit pas perdre ce soir à Auxerre. Philippe Doucet. Et ce sont les Lillois justement qui sont mieux partis dans cette rencontre, avec notamment quelques approximations de la défense auxerroise, et notamment ici de Grichting qui offre une belle occasion à Odemwingie. Tire trop croisé pour l'attaquant lillois, mais ça préfigure un petit peu du reste de cette première période. Pourtant les Auxerrois sur quelques occasions eh bien, réussissent à mettre Silva en danger. Ici c'est la tête de Benjani servie par Akalé, bel arrêt de Silva, et puis ce 1-2 parfait, plein axe entre Makoun et Odemwingie, et le jeune attaquant titularisé à la place de Moussilou aujourd'hui, eh bien bonne vision de la part de Claude Puel, puisque Odemwingie du gauche parvient à tromper
c'est Fabien Cole qui freine ce ballon, mais insuffisamment, le poteau et le ballon qui rentre tout juste. Donc Lille qui mène à 1-0, qui conforte sa deuxième place à cet instant. Et puis sur un contre, alors que les Lillois venaient de s'offrir quasiment une occasion de 2-0, eh bien action entre Akalé et Kalou. C'est un grand classique, superbe remise ici de Kalou. Akalé lui ensuite est contré, mais le ballon revient sur un autre Ivoirien, Kalou. 9e but pour Kalou, un partout entre Auxerre et Lille. Et pour l'instant, Lille est accroché à sa fameuse deuxième place que lui convoite Monaco. Monaco face à Saint-Étienne. David Berger. Avec une première mi-temps un petit peu décousue, très hachée, mais avec des buts et des occasions, ça n'a pas traîné en tout cas. Une minute de jeu sur ce centre, la tête de Chevanton qui avait marqué à la première journée. Il marque donc également à la dernière, mais c'est son premier but de la tête, son 10e de la saison, la joie de l'Uruguayen, l'ancien buteur de Lecce, 1-0. Et puis 8 minutes plus tard, la réaction stéphanoise, Monaco qui avait un petit peu baissé de pied. Et finalement sur ce centre, le Findouno, sablé, inscrit lui son 5e but de la saison. Findouno, l'un des meilleurs passeurs du championnat. Belle réaction stéphanoise. Ensuite le rythme est un petit peu retombé, mais il y a eu beaucoup d'occasions et des occasions franches, comme ici ce long ballon de Diawara pour Sablé en duel face à Roma, mais il rate complètement le cadre. C'était une occasion énorme pour les Stéphanois de prendre l'avantage, et occasion aussi pour les Monégasques, qui a eu un tir de Maicon, mais surtout cette belle reprise de Plasil repoussée par Jérémy Jeannot. Un partout à la mi-temps, le suspense continue à Louis II. Belle claquette. Merci David. Pas de but entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Des buts, il y en a eu en revanche entre Bordeaux et Marseille. Denis Balbir. Avec des Marseillais décontractés qui voulaient prendre ce match bien sûr à bras-le-corps parce qu'il y a une place qualificative pour la Coupe UEFA. Perte de balle des Marseillais avec Mavouba pour Riera. Regardez le numéro technique de Riera, l'Espagnol, dans la surface de réparation. Superbe geste, superbe centre. Et l'instant qui vient couper la trajectoire de ce ballon pour marquer son 6e but de la saison et son 118e en Ligue 1. Un magnifique caviar de Riera pour la tête de l'instant. Il fallait la mettre cette tête. Et puis Bordeaux qui mène 1-0. Mais touche pour les Marseillais avec Fiorez, la protection de balle, l'erreur défensive bordelaise, et Peggy Louyindoula qui égalise. Un but partout pour l'Olympique de Marseille. Capsis est dépassé et Louyindoula profite donc d'un bon travail de Fabrice Fiorez malgré le retour de Riera pour égaliser. Une équipe de Marseille tranquille. Ce centre de Taïwo, le roc et la tentative de reprise de volée de Fiorez, et une tentative réussie. Superbe, deuxième but de la saison pour Fiorez, titularisé ce soir par Philippe Troussier comme Bruno Chérou. Et puis au retour des vestiaires, et bien sûr les Bordelais abattus, d'autant que Faubert lui est d'autant plus abattu qu'il est blessé au genou droit. 2-1 pour Marseille à Bordeaux, c'est le score à la mi-temps. Merci Denis. Pour l'instant, le coaching payant de Philippe Troussier qui relance précisément pour ce match Fabrice Fiorez. Un but important, très important même, a été marqué à Nantes au stade de la Beaujoire. Cyril Linette. Et une première mi-temps équilibrée entre les deux équipes avec le jeu placé des Nantais avec du déchet, et puis le jeu plus direct en contre des Grenat-Messin. L'image de cette action, ça partait d'un coup franc nantais. Ballon de Renoir, un relais ici avec Socrier, et c'est Sébastien Renoir qui va frapper juste à côté de la cage de Landreau. La Beaujoire a tremblé par instant, mais les Nantais ont dominé la fin de la première mi-temps avec ici Bakayoko qui l'an dernier se battait en cette même 38e journée pour sauver Ajaccio. Et puis il y aura le but nantais sur une action d'école, une action typiquement nantaise avec le Darocha Savino et cette tête de Diallo. Notez que c'est simplement le 4e but inscrit de la tête par les Nantais depuis le début de la saison, mais c'est bien sûr un but importantissime. 1-0 pour les Nantais à la mi-temps à la Beaujoire. On a écouté le speaker donner les résultats des autres matchs avec beaucoup de ferveur, Stéphane. Au Philippe Jeunin. Et tout est allé très vite ici, 6 minutes de jeu avec Endo qui a lancé le jeune Mohamed Abdelkader Koubadja Touré, dit Kader, pour son premier but en Ligue 1. Guy Lacombe déclaré avant cette rencontre, on jouera le jeu à fond ici comme on l'a fait à domicile face à Nantes il y a une semaine. Eh bien la poudre a parlé avec le tout jeune Kader qui permet donc à son équipe de mener 1-0 après 6 minutes de jeu, mais derrière 13 minutes de jeu, la réaction sur ce centre de Wada, le ballon déposé sur la tête du meilleur buteur du club, 11e but cette saison pour Lucas qui vient égaliser. Cela fait un but partout entre Ajaccio et Sochaux. Merci Philippe. Pas de but ce soir entre Strasbourg et Bastia. Pas de but pour l'heure. Des buts en revanche, il y en a également eu dans le sud entre Istres et Caen.
Ouais, Istres avait promis de jouer le jeu et au bout de 5 minutes, regardez le travail de Rafik Saïfi, n'est pas hors jeu après le très beau triangle Pelé Courtois Choussidière, ça fait 1-0 pour les Istréens. En fait, quand on va mettre 25 minutes à revenir dans le match, à poser son jeu offensif, Angebar centre et la volée Poletesque, véritablement de Mazur et de 13 pour Mazur, égalisation logique, mais les Canets n'ont pas le temps de savourer cette égalisation car derrière Saïfi délivre ce bonheur de centre pour Choussidière, ça fait 2-1, 2-1 pour Istres. Oh, il aurait pu y avoir 2-2 parce qu'ils en ont eu beaucoup d'occasions dans cette première mi-temps, mais à l'arrivée, eh bien 2-1 pour les Istréens malgré ce face-à-face. Mazur, Riou, il est passé Mazur et retrouve gagnant de Le Guen à la pause. Donc 2-1 pour Istres face à Caen. Merci Xavier, les 14 buts marqués, vous les avez tous vus, marqués lors de la première période. La deuxième période débute à l'instant, direction Bordeaux, Bordeaux-Marseille, Denis Balbir, Franck Sauzé, François-Charles Bidot, Vincent Alix. Et oui, et pour démarrer cette deuxième période, aucun des deux coachs, ni Eric Bédouet, ni Philippe Troussier, que ce soit à Marseille ou à Bordeaux, n'a opéré de changement. On va juste rappeler bien sûr que Francia est rentré juste avant la pause pour suppléer Faubert blessé, et coup d'envoi donné avec Kamel Meriem vers Riera, Lasland qui redonne à Riera, qui lui redonne encore Riera, Meriem, Lasland. Quel beau jeu là pour les premières secondes avec une tentative avortée puisqu'il y avait trois Marseillais autour des Bordelais pour se ressaisir du ballon. Fiorez et un ballon qui est sorti. En tous les cas, une belle tentative d'aller percer cette défense marseillaise pour les Girondins. Ouais, surtout, et c'est nouveau Denis, une tentative je dirais dans un jeu court, petit jeu, 1-2, ballon espace réduit, et peut-être que c'est la tactique effectivement de l'entraîneur bordelais pour cette seconde période. Il va demander à ses joueurs d'essayer de provoquer les joueurs marseillais balle au pied, prendre l'espace à un moment donné, c'est sûr, mais en première période c'est vrai qu'on a vu cette équipe bordelaise usée je dirais des passes longues, et ça n'a pas été non plus très concluant absolument. Ouais. Eric Bédouet a aussi demandé à Marianne Chamac d'aller se préparer, d'accélérer son échauffement, il va peut-être très vite apparaître sur le terrain. Chamac qui avait remplacé Darcheville contre Monaco, qui avait marqué le but, l'ouverture du score contre les Monégasques, un élément très important, l'un des grands joueurs du championnat, hein, Marouane Chamac. Chérou, Taïwo face à Francia qui recule, et un ballon vers Jérémy Gavanon. Dégagement de Gavanon sur le côté de Fiorez qui a été poussé lorsqu'il était en l'air. Fabrice Fiorez, il bénéficiera donc d'un coup franc sifflé par Monsieur Poula. Batles avec Ferreira, Fiorez encore, Meriem qui a pu récupérer, Capsis, Ramé pressé par Fabrice Fiorez qui réussit à relancer jusqu'à Francia, mais Bruno Chérou a gagné son duel aérien. Jorietti était là derrière, Mavouba, Marley à la récupération, Taïwo, Louyindoula, Fiorez et finalement Marange pour Bey. Ouais, c'est dommage, les Bordelais sont un petit peu absents à l'heure actuelle sur le second ballon lorsqu'il est renvoyé par la défense. Et M. Poulard revient à la faute car Batles a été balancé. Il avait laissé l'avantage dans un premier temps et il revient car Batles est touché, il reste au sol. Ouais, c'est Rio Mavouba en fait qui est arrivé en retard sur l'impact. Dominique Dropsy, François-Charles Bidot a raison de nous le montrer parce que toute la semaine ça a été l'un des hommes importants, étant donné que Michel Pavon est toujours souffrant, l'un des hommes importants pour aller motiver les Bordelais à aller chercher absolument ces trois points de la victoire pour se maintenir sans souffrir et sans écouter les autres résultats. Ferreira, Pedretti, il n'y a rien de pire, Franck, dans un dernier match que de compter sur les autres. Ah oui, absolument, absolument. Il faut être maître de son destin le plus possible. Ce n'est pas le cas ce soir pour les Bordelais. Francia avec un départ de Jurietti dans le couloir. Jurietti qui lutte avec Marley. Ah, merci Denis, on voit Parc des Princes, Eric Bénard, PSG Rennes. Avec un corner pour les Parisiens, toujours 0-0. Les Rennais savent ce qu'il leur reste à faire, c'est marqué. Si Marseille mène toujours à Bordeaux, c'est marqué dans cette seconde période. Mais là, ce sont les Parisiens qui sont tout prêts d'ouvrir le score. Il s'en est fallu de peu. Les Rennais, Michel Hidalgo, vont devoir se montrer plus mordants qu'ils ne le sont jusqu'à présent. On dirait qu'il manque un petit peu de détermination. C'est surtout les Parisiens qui ont eu une poussée plus forte dans les dernières minutes de la première mi-temps. Et lors de cette deuxième mi-temps, c'est eux qui sont encore les plus dangereux avec ce tir qui est passé pas très loin de la cage d'Ixaston. Semak, deux fois, les deux occasions parisiennes dans ce match auront été signées Semak. Mais là, ce sont les Rennais avec Étienne Didot pour Frey.
Il y a eu une ou deux petites occasions pour les Rennais en première période, mais ça a été pauvre en occasion quand même. Karlström, le Suédois avec Maulida. Le bon centre et la bonne prise de balle de Lionel Letizy qui relance immédiatement. Eric, je vous coupe, on file rapidement à Auxerre, Philippe Doucet, Gilles Vessière à Séville. Et oui, pour son dernier match professionnel, il vient de siffler un pénalty pour cette faute sur Odemwingie, accroché oui. par Lachmer. Oui, oui dit Olivier Rouillé. Oui, bon, oui, il y a pénalty. C'est-à-dire que ce soit très très lancé, tout ça, c'était un petit peu arrêté. Enfin, la faute a été vue par l'arbitre Gilles Vessière, Fabien Kohl, face à Bonnemer qui va frapper ce pénalty. C'est la première fois cette saison qu'il frappe un pénalty, car ni Brunel ni Asimovic, les tireurs habituels, ne sont sur le terrain. Mathieu Bonnemer avec très très peu d'élan face à Kohl. Et c'est une réussite lilloise. 2-1 maintenant pour le LOSC qui, dans sa course pour la seconde place, prend quelques longueurs d'avance supplémentaires. Oui, avec un beau pénalty de Bonnemer. Le pied bien ouvert. Kohl est parti dans le bon côté. Mais le tir est absolument parfait de Bonnemer. À noter quand même que sur l'action, Odemwingie avait mystifié les défenseurs. Donc Lachuer est venu quand même le crocheter. Donc le pénalty était parfaitement justifié. Merci Olivier, on rappelle que dans sa lutte avec Monaco, Lille a donc un sérieux avantage. Monaco mise en échec à domicile par Saint-Etienne. La quatrième place est occupée par les Marseillais pour l'instant, avec leur succès 2-1 sur la pelouse de Bordeaux. Qu'en est-il des Rennais qui l'ont perdu cette quatrième place, Eric? Rennes mise en échec au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain, 0-0. Et Rennes qui ne montre pas grand-chose surtout. Michel, il faut faire quoi là, Michel Hidalgo? Il faut peut-être jouer plus offensivement, c'est-à-dire avoir des attaquants qui, pour l'instant, il y a surtout Frey qui est en pointe, et avoir deux attaquants, notamment sur les côtés, parce que les meilleurs passes sont encore les centres, si on veut marquer des buts. Paoletta face à Jacques Fati, en 1 contre 1. Pas vraiment de soutien pour le Portugais, cette fois ça y est, avec Modeste Mbami. Un peu isolé lui aussi, Modeste Mbami, alors il tourne sur lui-même. Ce sont Rennais de toute façon de venir mordre dans le ballon. Il n'y a pas cette provocation de la part des Bretons là, surtout à l'approche des 16m50. Et les occasions les plus favorables sont toujours sur les coups francs ou les corners. Tiens, là, c'est juste une petite parenthèse parce qu'on parlait de Gilles Vessière tout à l'heure pour signaler que messieurs Bombard et Duteil, les arbitres assistants de cette rencontre qu'on voit depuis presque 10 ans en Ligue 1, eh bien, prennent également leur retraite ce soir puisqu'ils auront 45 ans l'année prochaine. Ça, c'est un clin d'œil aux arbitres. On est habitué à les voir tous les week-ends sur Canal. Allez, bonne retraite. Dégagement d'Isaacson. C'est un jour qui peut être historique pour le Stade Rennais si les Rennais parviennent en l'état actuel des choses à l'emporter, car bien évidemment si Bordeaux égalise ce sera une autre histoire. Monterubio qu'on a moins vu oui, de la semaine dernière. Il n'est pas tellement devant, hein, il est milieu de terrain et on n'a pas ses passes habituelles. Jeune champ pour Dido qui essaye de prolonger pour Maulida. Sana Badiane qui, comme s'ils avaient joué toujours ensemble en charnière centrale. Paoletta avec un appel de balle de Bernard Mendy. Paoletta qui conserve cette balle, donne à Mendy le centre de Mendy. Sema qui est à la réception, Ouadou également. Et Roten derrière. On peut remettre et prise de balle juste derrière d'Isaacson. Mais la poussée est toujours parisienne. Et il y a une poussée des supporters rennais en ce moment. Ils sont 3-4 000 à avoir fait le déplacement et ils poussent également. Il reste encore 40 minutes à jouer, un petit peu moins dans cette seconde période. Mais pour l'instant, on ne voit pas très bien comment les Rennais... But à Ajaccio, Philippe Jeunin. Oh et quel but! Rappelez-vous le chef-d'œuvre le week-end dernier à Lille, inscrit par Nasser Ouada. Et bien celui-ci est de haute volée également pour Nasser Ouada qui donne l'avantage enfin dans cette rencontre pour cette formation d'Ajaccio. Regardez ce ballon insaisissable, 2-1 pour la CA. Merci à vous Philippe, but au Parc des Princes, Eric Bénard. Et il est parisien ce but avec Paoletta qui vient d'ouvrir le score pour le Paris Saint-Germain. Alors là maintenant les Rennais doivent marquer deux fois pour être européen, mais on va le revoir. But de Pedro Miguel Paoletta qui termine donc la saison remarquablement. Regardez, un tir raté et Paoletta dans un angle complètement fermé, Michel, qui vient tromper Isaacson. Il marque de façon très très belle parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire pour battre le gardien, le grand gardien rennais. Regardez, il n'y a presque pas d'angle et il fait juste le ballon piqué.
et qui va au fond des filets. 1 à 0 pour le Paris Saint-Germain, ça se complique pour les Bretons. C'est le 97e but marqué par Pedro Miguel Paoletta en Ligue 1. On rappelle que Lilian Lasland a lui marqué son 118e but ce soir dans sa carrière. Coup d'œil Eric sur le haut du classement pour constater que la très belle opération est faite pour l'heure par l'Olympique de Marseille qui conforte maintenant sa 4e place. Il faut au Rennais marquer deux fois pour rejoindre les Marseillais. Et puis le bas du classement maintenant après le but d'Ajaccio contre Sochaux. Ajaccio qui mène plus que jamais, Bastia et Caen relégable. C'est à nous. Et les Rennais qui, Michel Hidalgo, maintenant, vont devoir pousser, vont devoir marquer à deux reprises. Oui, et puis éviter surtout d'être en position de hors-jeu parce qu'ils n'ont pas déjà beaucoup d'attaques. Si chaque attaque est stoppée parce qu'il y a un joueur hors-jeu, mais ils doivent jouer beaucoup plus écartés et surtout avoir au moins deux attaquants en permanence devant. Alors Bruno Blachon, vous êtes aux côtés de l'Aslo Bologna. Ils savent bien évidemment que Marseille mène toujours à Bordeaux, les Rennais. Hein. Ouais, et je peux vous dire, le coup d'assommoir a été terrible pour les adjoints, les assistants et l'Aslo Bologna lui-même. Il s'est rassis tout de suite après le but. Il a vu sur l'écran du parc le ralenti et l'angle fermé dans lequel Paoletta a réussi à marquer. Et pour l'instant, il ne bouge plus. Maoulida face à Armand, il est passé. Maoulida, il a peut-être une solution, rentre dans la surface de réparation. Maoulida qui lui aussi va se fermer son angle, essaye de passer seul. Un peu trop seul d'ailleurs, sans soutien. Et le contre des Parisiens. Et le public qui exulte pour ce dernier match au Parc des Princes avec Roten. Mbami, Pancrate et Paoletta devant. Ce sera pour Pancrate qui essaye de remettre au centre pour Paoletta et corner pour le Paris Saint-Germain qui va beaucoup mieux depuis le but de Paoletta. Ah, puis ils sont beaucoup plus percutants, ils vont de l'avant, ils ont des positions de tir et la défense bretonne est obligée de contrer seulement et donc les corners. Roten pour tirer ce corner. Dégagé par les Rennais, Edouard Cissé, la tête de Wadou et Sorlin derrière. Voilà, le contre Rennais peut-être ici avec Kallström, mais il n'y a absolument personne devant, vous le disiez tout à l'heure, il y a juste Alexander Frey. Là, il faut absolument prendre certains risques, des risques calculés, mais si on veut revenir au score et puis surtout une victoire, il faut absolument qu'il y ait des attaquants. Est toujours parisienne avec Armand. C'est Mac qui réclame ce ballon. Roten rejoue pour Armand face à Didot. Ah, ils vont mettre le pied sur le ballon maintenant. Ils vont poser le jeu, les Parisiens. Ils ont le match en main. Et Didot qui résiste au retour de Roten. Ce sera une remise en jeu, ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. L'assommoir pour Didot et les Rennais pour l'instant. Oui, mais il faut qu'il y ait une réaction. On ne peut pas accepter comme ça les événements. Prendre un but, c'est possible, mais il reste encore beaucoup de minutes et on peut revenir au score et même remporter ce match. Mais encore, faut-il être plus offensif. Attention à ce corner pour le PSG tiré par Roten. Ballon dégagé par Cyril Jeunechamp. Et tout de suite, immédiatement récupéré par les Parisiens. Avec Paoletta excentré. On voit beaucoup côté droit ce soir, Paoletta. Merci Eric, on va à Ajaccio, Philippe Genin du nouveau. Avec Monsieur Layek qui vient d'accorder un pénalty pour l'ACA, une faute du jeune Maxime Joss, titulaire pour la troisième fois de la saison, qui a déstabilisé Robin. Et c'est un pénalty pour André Louis qui souffre de plus en plus de son genou gauche. Vous voyez le bandage, il a reçu une piqûre, une infiltration à la mi-temps dans ce genou parce qu'il boitait bas en fin de première période. Et c'est parti, il y a toujours 2-1. C'est un pénalty en faveur d'André Louis. Et c'est détourné par Teddy Richert. Et c'est le troisième pénalty cette saison arrêté du côté, enfin manqué du côté de la CA. Pardon. Merci Philippe, on va prendre des nouvelles de l'autre équipe corse. Bastia marque un but à Strasbourg ce soir, Thomas Guichard. C'est Bordeaux qui jouera la saison prochaine en Ligue 2.
Oui, mais pour l'instant, Bastia est toujours tenu en échec à la Méno, toujours 0-0, alors que l'on approche tout doucement de l'heure de jeu. Pourtant, les Corses continuent de pousser en début de seconde période. Ils se sont créés la plus belle occasion pour le moment dans cette seconde période par l'intermédiaire de Fabrice Jo. Encore lui, une frappe puissante à l'entrée de la surface, mais à chaque fois, il y a toujours un excellent Cassard dans les buts de Strasbourg pour retarder l'échéance. Attention, là, cette balle d'André dans la surface de réparation, c'est une nouvelle fois repoussé par Deveau et la défense strasbourgeoise. Mais pour le moment donc, Bastia est toujours tenu en échec. Bastia, pour le moment, jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Toujours 0-0, Stéphane. Merci Thomas, c'est vrai, pour l'instant les deux relégables en plus d'Istre sont, on le rappelle, le Stade Malherbe de Caen et le Sporting Club de Bastia. Bordeaux-Marseille, les Bordelais ont-ils les moyens de réagir, Denis Balbir? Est-ce que vous sentez du nouveau dans ce match? Oui, ils ont les moyens de réagir, ils ont les moyens de réagir et ils le font avec l'entrée tout à l'heure de Marouane Chamakh à la place de Darcheville. Et vous l'entendez, le public lui aussi le sent que cette équipe de Bordeaux peut refaire surface. Mais il faudra pour cela Franck marquer très très vite, car sinon les Marseillais vont faire comme tout à l'heure, attendre et venir menacer la cage de Ligue. Bien sûr Denis, en tout cas pour... Un but qui pourrait condamner Caen, Xavier Giraudon. Oh oui, il est terrible ce but pour la formation malherbiste, avec le but marqué par Azedine Ouraou sur un travail extraordinaire du poète Victor Hugo Montano. Regardez ce qu'il fait, le Colombien, c'est exceptionnel. Pas de faute, autrement c'est l'expulsion. Et derrière, le service en or. Ça fait 3-1. Ça va être dur, très très dur désormais pour les Canets, complètement abattus à l'image de leur entraîneur Franck Dumas et tout le banc qui s'est levé dans un premier temps et s'est rassis aussitôt. 3-1 donc pour Istres face à Caen. Et on parlait d'arrangement avant cette journée possible, il n'y en a pas, la preuve avec la victoire d'Istres sur Caen, la preuve avec la victoire du PSG sur Rennes qui fait l'affaire de l'OM. Philippe Genin, ce geste, hein. Philippe Genin à Ajaccio, un carton rouge de sortie de Philippe, il y a du nouveau. Carton rouge pour Martial Robin avec vraiment un coup de karaté sur le visage de Lonfa et le désarroi bien entendu de Roland Courbis sur le banc. Parce que regardez ce geste, il est terrible, ce coup de pied de Martial Robin au visage de Lonfa. Eh bien les affaires d'Ajaccio pourraient ne pas s'arranger parce qu'il y a eu ce pénalty, vous avez vu il y a quelques instants, détourné par Richert face à André Louis. Et là Martial Robin, eh bien, il va retourner du côté des vestiaires. Ajaccio qui mène toujours 2-1 face à Sochaux. Merci Philippe, on parlait de la bonne opération des Marseillais, favorisée aussi par la victoire du Paris Saint-Germain sur Rennes, Denis Balbir. Attention avec la sortie d'Ulrich Ramy, une sortie un petit peu kamikaze vers ses partenaires défenseurs et Francia qui a pu dégager avec Lasland, Taïwo, Lilian Lasland, Franck qui est l'homme pour l'instant de cette deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il y a Chamakh qui est rentré, mais Lasland c'est un exemple, il s'est fait marcher sur la main tout à l'heure, d'ailleurs il marche le bras collé au corps, ça veut dire qu'il souffre peut-être d'une fêlure du poignet parce qu'il a reçu vraiment une semelle involontaire bien sûr d'un Marseillais, d'un défenseur, et il continue à se battre, il continue à montrer l'exemple, il continue à y croire. Bien sûr Denis, souvenez-vous de l'action, il est allé mettre la tête où certains joueurs ne mettent même pas les pieds je dirais. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle on sent un Bordeaux beaucoup plus déterminé. L'entrée de Marouane Chamakh. Il est là, Chamakh le contrôle, le pénalty pour le tacle par derrière de Bey sur Chamakh qui allait se présenter face à Gavano. Pénalty pour les Girondins de Bordeaux, obtenu par le Marocain international Marouane Chamakh. Va se présenter face à Jérémy Gavano. Il y avait Barthez dans les buts pour arrêter un pénalty de Chabani Nanda il y a quelques semaines. Riera avait raté face à Cassar qui avait arrêté pour les Girondins. Et regardez Marouane Chamakh qui va parler aux soigneurs récupérés. C'est le long de la touche. Monsieur Poula, de toute façon, n'a pas hésité un seul instant alors que les supporters marseillais qui ont fait le déplacement commencent à sortir les fumigènes, pourtant interdits bien sûr et bannis des stades. Kamel Meriem, sans doute, va se présenter pour aller essayer de tromper Jérémy Gavano. Kamel Meriem, lui, l'ancien Marseillais, alors que des Marseillais, notamment Fiorez, Bey et d'autres sont en train de discuter avec Monsieur Poula, Jérémy Gavano qui se prépare pour ce tir au but, discussion un petit peu âpre qui s'envenime entre Lasland et Fabrice Fiorez qui est venu à tort, c'est vrai, discuter la décision de l'arbitre. Monsieur Poula a pris sa décision dans le dixième de seconde nécessaire, il l'a fait, c'est trop tard pour revenir là-dessus, en tous les cas il y a bel et bien pénalty. Alors devant le ballon, Jurietti, Meriem sont en train de discuter pour aller tromper Gavano. Ulrich Ramé, le capitaine des Girondins, est allé se présenter vers le groupe. On revoit la faute encore ici
de Bey sur Chama qui est en l'air et qui est indiscutablement déséquilibré à ce moment-là, Franck. Oui, effectivement, oui, c'est un tacle un petit peu à l'aveugle de la part de Bey. Il ne voit pas le joueur bordelais venir dans son dos. Il est un petit peu juste. L'arbitre prend sa décision. Il siffle pénalty. Le pénalty, Monsieur Poulard regarde si tout le monde est bien en dehors de la surface de réparation. Merriam très concentré sur ce ballon. C'est un ballon extrêmement important. C'est le ballon du championnat. C'est le ballon du sauvetage pour les Girondins de Bordeaux. C'est le ballon de l'année. Kamel Merriam face à Jérémy Gabanon. Merriam qui s'élance, qui frappe et qui marque. C'est la délivrance au stade Jacques Chaban-Delmas. Kamel Merriam qui remet les Girondins dans le coup. Bordeaux et Marseille sont à égalité. Deux buts partout et pour l'instant Bordeaux reste en Ligue 1. Ouais, pénalty de Merriam, donc il prend sa responsabilité. Frappe coup du pied dans l'axe, légèrement sur la gauche de Gavanon. Ses buts, mais surtout ce pénalty, on va dire, allez, symbolise un petit peu le nouvel état d'esprit de ce Girondin de Bordeaux depuis la rentrée de Chamac. On l'a dit, c'est un joueur qui pèse énormément à l'heure actuelle sur la défense marseillaise. Et surtout, les Marseillais à l'heure actuelle n'ont pas la possibilité de ressortir le ballon. Ils sont beaucoup trop bas dans leur moitié et s'exposent, on l'a vu, à des fautes. Et en l'occurrence, ce pénalty sifflé sur Chamac. Merci Denis et Franck. Et pour l'instant, Eric Bénard, Rennes est redevenu européen. Rennes est à nouveau en UEFA. Rennes est à nouveau en UEFA. Stéphane, je vais vous montrer une petite image. Vous allez voir, c'est Laszlo Bologny qui apprend que Merriam a égalisé. Et il est en train de faire signe aux joueurs. Il est en train de leur dire un but, deux buts partout, égalisation à Bordeaux. Et là maintenant il faut tenir parce que près du banc, Bruno Blachon, tous les Rennais sont au courant, hein. Ah oui, mais là je peux vous dire, je me suis fait un nouvel ami, hein. J'ai jamais vu la Snowballerie si proche de moi. C'est vrai que toutes les 2-3 minutes il se rapproche en écoutant si jamais ça a bougé sur les autres stades. Par contre il a été le premier, hein, à l'annoncer à ses joueurs en se levant et en se mettant tout au bord du terrain pour les invectiver à aller vers l'avant. Voilà, on le revoit là, la Snowballerie. Et les Rennais qui sont toujours menés 1-0 néanmoins, Michel Hidalgo. Ça devrait leur donner une sublimation de savoir qu'ils sont encore pour l'UEFA, mais il reste encore beaucoup de minutes et s'ils veulent vraiment s'assurer, ben c'est à eux de marquer un but maintenant, de marquer un but à Paris. Et on rappelle que la Ligue de football professionnel a interdit ce soir que les scores soient affichés sur les tableaux d'affichage des stades, hein, Eric. Ah, les radios fonctionnent, hein, forcément partout. Effectivement, il n'y a pas de score, il n'y a pas de tableau lumineux comme c'est le cas sur de nombreux stades en France généralement chaque semaine. Attention à cette attaque rennaise, dégagement de Pancrate. Mais forcément, ça fonctionne d'une façon ou d'une autre. C'est obligatoire. Pancrate avec Mbami, le contre de Dino. Un but de camp, Xavier Giraudon, mais qui est annulé. But refusé après ce très bon départ côté droit de Johan Odlin. But refusé, donc toujours 3 buts à 1 pour Istres qui crée quand même des sensations la soirée, hein, dans le bas du classement. Merci Xavier. Retour à Bordeaux. Denis Balmire, Franck Sauzet, Vincent Alix. Oui, ça sent la folie ici au stade Jacques Chaban-Delmas. Tout le monde est bien sûr très heureux ici que les Bordelais soient revenus dans la partie. À noter que Ndiaye a remplacé Batless et qu'à l'instant Fabrice Fiorez sous les sifflets sort du terrain en applaudissant le stade Jacques Chaban-Delmas. Il est remplacé, il me semble, par Habib Bamogo. Voilà, c'est certain maintenant. Bamogo qui rentre, Ndiaye qui rentre. Deux changements opérés par Philippe Troussier pour redonner peut-être un souffle nouveau à l'Olympique de Marseille qui doit se battre maintenant pour essayer d'aller marquer un but à Ulrich Ramé. Mais ce sont les Bordelais galvanisés par ce pénalty marqué par Merriam. Il avait déjà marqué un pénalty cette saison au Parc des Princes pour ramener un point avec ses Girondins de Bordeaux. Et Kamel Merriam donne l'exemple. Si on aura beaucoup parlé de confiance, d'exemple à donner, mais ce sont ces joueurs-là, Merriam, Lasland, qui doivent le faire avec Guillaume Avouba aussi pour Marange, le jeune stagiaire des Girondins de Bordeaux qui essaye de trouver Riera face à Demetrius Ferreira. Riera qui s'est un petit peu emballé dans ses poussées, c'est vrai. Et M. Poula a sifflé un coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Non, ce sont pour les Marseillais, bien sûr, avec Pedretti. Pedretti, Mavouba dans l'espace. Chamac a eu une occasion en or tout à l'heure de marquer un troisième but. Attention à Merriam pour le centre, peut-être. Kamel Merriam qui va essayer de donner Riera. Voilà qui est fait. Il a regardé le centre. Lasland était là. Bayrou Mavouba pour le contrôler la reprise. C'est un ballon que convoitait Lasland. Encore Mavouba, un petit peu accroché. Et Bamogo qui repart. Toujours Marseille et Bordeaux, égalité. Deux buts partout. Mavouba est accroché par Bamogo. C'est un coup franc pour les Girondins. Oui, Denis, à l'heure actuelle, les Marseillais qui... Oui, avec cette faute
Et des Marseillais qui perdent le ballon à des endroits clés du terrain, justement dans la phase de construction, de récupération. Donc ça donne des bons ballons aux Bordelais pour contre-attaquer. Meriem, Francia côte à côte. Meriem et Francia pour jouer ce coup franc. Ce sera Francia qui va donner à Meriem pour centrer, peut-être pas, pourquoi pas au Cordeau avec un centre qui a un ballon qui est sorti avant de revenir sur la pelouse. C'est signalé par Nelly Vienno, assistante de Monsieur Poulard. Il va y avoir un nouveau changement à Marseille. La sortie de Bruno Chéroux. Merci Denis, on va aller à Strasbourg prendre des nouvelles des Bastiais parce que pour l'instant, s'il n'y a pas de but Bastier, Bastia jouera l'an prochain en Ligue 2, Thomas Guichard. Oui, avec une très très grosse frayeur à l'instant. Vous voyez la déception de Mamadou Niang que l'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. On le rappelle, il est orphelin de Michael Pagis, suspendu. Mamadou Niang qui s'est présenté face à Nicolas Pento mais qui a trop croisé sa frappe. Ça a frôlé le poteau du Sporting. On en est toujours à 0-0 après 70 minutes de jeu. Mais pour l'instant, les Corses n'arrivent pas à développer leur jeu, n'arrivent pas à vraiment inquiéter Stéphane Cassard qui repousse tout ce qui se présente. On voit aussi des Corses un petit peu nerveux, là, l'image de Yaya qui a fait faute sur Mamadou Niang. Pour l'instant, donc, toujours 0-0. Bastia qui espère surtout, c'est vrai, du point de vue du banc, puisque Joe Bonavital, directeur sportif du Sporting, écoute la radio, espère surtout une égalisation de Metz à Nantes, parce que dans ce cas-là, eh bien, le Sporting se sauverait. Merci, 0-0. Justement, Thomas. Nous allons aller à Nantes, prendre des nouvelles des Nantais. Est-ce qu'ils tiennent, pour l'instant, fermement cet avantage, Cyril Linette? Alors fermement, je ne sais pas Stéphane, toujours 1-0, ça c'est sûr pour les Nantais dans un match à l'intensité dramatique assez exceptionnelle, c'est vrai. Sur le plan du jeu, ça s'est un petit peu calmé. Une petite stat quand même importante, 19 fois cette saison les Nantais ont mené au score, 9 fois seulement ils se sont imposés. C'est l'équipe du championnat à s'être fait rejoindre le plus souvent depuis le début de la saison. Les Messins ont eu des occasions en ce début de deuxième mi-temps, les Nantais également. La Beaujoire, vous avez raison de le préciser, qui ne connaît pas suite aux directives de la Ligue les résultats des autres scores, ne sait pas trop quoi penser. Elle courage sur l'équipe, mais on sent les spectateurs très tendus. Quant aux Nantais sur le banc, eux c'est clair, ils ne veulent toujours pas entendre parler du résultat de leurs adversaires. Ballon pour les Messins, avec ici peut-être une occasion pour Socrier, la récupération nantaise. Signorino, attention à ce ballon au second poteau vers Hervé Toum, Mickaël Landreau qui va l'accompagner. C'est sorti en touche pour les Nantais. Mickaël Landreau, exceptionnel de détermination, qui a fait 2-3 parades décisives. On sait qu'il n'est pas dans la forme de sa vie, qu'il a eu quelques matchs difficiles ces derniers mois. C'est peut-être son dernier match 9 ans après ses grands débuts sous le maillot nantais, son 299e en première division. On l'annonce pourquoi pas en Espagne du côté de Villarreal qui jouera l'an prochain la Ligue des Champions. Mais Mickaël Landreau, il est bien là ce soir. Attention à ce ballon, nouvelle frappe messine avec Socrier. Les Nantais sont à la merci de ce genre de ballon perdu. Même s'ils déploient une assez bonne qualité collective, ils n'ont qu'un but d'avance et les Messins, eux, pour être parfaitement sereins, ont besoin d'une égalisation. Ballon à nouveau nantais avec Faé. Et pour Pascal Delomo. Merci Cyril. Delomo qui va relancer. Toujours à zéro. Merci Cyril. On va à Bordeaux. Bordeaux-Marseille. Il faut un but aux Marseillais pour jouer la Coupe de l'UEFA. Oui, et c'est pour ça Stéphane, et c'est pour ça Franck, que Philippe Troussier a opéré son troisième changement. Et sur la pelouse, il y a 11 Marseillais et il y a la moitié d'attaquants. Oui, absolument. Il faut impérativement marquer. Alors qu'il y a un petit incident entre Jorietti et Bamongo. On revoit sur le ralenti ce qui s'est passé avec un coup de coude de Jorietti à Bamogo. En tous les cas, Bamogo s'est relevé, c'est le principal. Oui, on disait, une équipe de Marseille qui veut chercher les trois points et la victoire. Bien sûr, Denis, mais vous savez, comme moi, qu'en football, ce n'est pas parce que vous allez additionner des attaquants que vous allez forcément marquer des buts. Ce que l'on constate lors de cette seconde période, c'est que Bordeaux est mieux organisé, surtout utilise le ballon admirablement bien. Oh oui, avec Riera qui a fait un cavalier seul, est-ce qu'il va pouvoir donner convenablement à Francia qui rate complètement sa frappe? Il avait fait tout le travail en solitaire, l'Espagnol Riera, mais Jurietti a pu récupérer avec Francia. Il y a Laslan qui attend le ballon et Jurietti l'a vu, Jurietti qui va pouvoir centrer. Le centre est repoussé par Frédéric Déhu et Francia est à la lutte avec Bamogo. Il y a un contre-favorable qui lui profite bien sûr avec Rio Mavouba pour Kamel Meriem maintenant. Meriem qui va effacer. C'est son vis-à-vis donné à Riera. Riera peut-être pour écarter sur Marouane Chama qui préfère y aller tout seul. Riera est porté ce ballon. Pressé par Coquet, par un défenseur marseillais qui est Ferreira qui a pu lui rechipper dans les pieds. Relancé sur Marley. Le but de l'espoir à Istres pour les Canets, Xavier Giraudon.
Et comme toujours, les Canets adeptes des fans de match de folie. Regardez ce petit bijou d'intérieur du pied enroulé par Anthony De Rohan. Il n'y a pas de solution. Caen qui butait régulièrement sur la défense istrienne. Alors il a choisi la solution personnelle pour enrouler petit filet. La course poursuite des Canets est partie. 3 à 2 pour Istres. Et Istres venait de se voir refuser un but. Merci Xavier. Bordeaux-Marseille, Denis Balbir, Franck Sauzet. Perception de Chamac et de Francia, le public qui porte son équipe maintenant avec Marwan Chamac qui va défier Taïwo. Marwan Chamac, le petit geste technique dans la surface de réparation. Francia qui va pouvoir lui redonner, Chamac qui va pouvoir centrer. Meriem, la frappe, elle est contrée encore par Frédéric Déhu. Et Lasland qui se bat à la course pour avoir ce ballon. Lilian Lasland, Viera. Mavouba face à Ferreira, un gros pressing bordelais. Ouais, gros pressing et surtout ce que font très bien les Bordelais par rapport à la première période. Ils ont littéralement annihilé Benoît Pedretti. Dès que Benoît Pedretti reçoit un ballon, il est pressé, il n'a pas la solution. Bien souvent, les Bordelais récupèrent la balle dans un endroit précis. Et après, à ce moment-là, ils repartent et ils sont dangereux. Bamogo. Coquet avec Bamogo qui convoitait cette balle. Coquet qui se précipite. Planus qui essaye de faire le tour de Coquet et de relancer. Mais il y a Bamogo sur la trajectoire. Bamogo qui peut centrer. Capsis, Mavouba. Meriem. Pour l'instant, c'est un record dans l'histoire du championnat puisque Bordeaux est en train de concéder son 20e match nul dans l'histoire du championnat. Ils avaient égalé les Monégasques l'autre jour et là, ils les dépassent. C'est plus que la moitié d'un championnat pour des Bordelais qui, quelquefois, ont fait des nuls spectaculaires. 3-3, par exemple, contre Nice. Mais quelquefois, de piètres résultats, c'est vrai, on l'a dit répété. Un ballon qui est sorti au profit des Marseillais. Toujours 2-2. Toujours cette équipe de Marseille qui doit aller marquer, qui doit aller titiller la défense girondine. Bien sûr, et qui doit jouer très certainement pour arriver à marquer ce but beaucoup plus haut. Trouver des appuis sur les attaquants. Franck, à un quart d'heure de la fin du championnat 2004-2005. Rennes est 4e, Marseille 5e, Saint-Etienne 6e, Lens 7e. Rennes est en UEFA, Marseille, Saint-Etienne, Lens en Coupe Intertoto. Le point maintenant sur le bas du classement. Bastia, Caen et Istres sont à un quart d'heure de la fin du championnat, relégués en Ligue 2. Taïwo face à Francia. Taïwo qui est passé, le ballon qui va très très loin, qui va sortir. Au grand dam du joueur marseillais, Éric Bédouet, peut-être en pleine réflexion pour effectuer d'autres changements. Il communique avec Dominique Dropsy. Regardez ses regards. Très belle image là de François-Charles Bidot. Les incertitudes du coach, la réflexion du banc bordelais. Ouais, c'est vrai que depuis 5 bonnes minutes, Éric Bédouet se demande et demande surtout à Dominique Dropsy qu'est-ce qu'il faut faire. Et Dominique Dropsy dit calmons-nous, on a le temps encore. Oui, absolument. C'est bien vu, je pense. Parce que pour l'instant, c'est Bordeaux qui a la maîtrise du jeu. Avec une récupération dans les pieds de Louis Ndoula, mais il y a faute de Planus dans les pieds de l'attaquant marseillais. Monsieur Poula l'a vu et il a sifflé un coup franc au profit de l'OM. Ouais, c'est un coup franc. Les deux pieds en avant sur Peggy Louis Ndoula, effectivement, c'est une faute. Avec Benoît Pedretti face au capitaine des Girondins, Ulrich Cramé, auteur d'une parade exceptionnelle l'autre jour. Face à Monaco, Pedretti. C'est un ballon à une trajectoire curieuse. Et surtout, ça va profiter aux Marseillais. C'est Marange qui l'a éloigné. Ce ballon touche pour l'Olympique de Marseille. Avec Taïwo. Taïwo dans la surface de réparation. Donc c'est sur Pedretti qui est recherché. Le voilà, Taïwo pour une fin de centre. Il va avoir du mal face à Francia. Il a repris le contrôle des opérations, un ballon qui n'est pas sorti mais qui fait faute. C'est Taïwo qui est sanctionné par Monsieur Poula. En tous les cas, pour l'instant, à l'heure qu'il est, alors qu'Éric Bédouet demande peut-être aussi au public de manifester et aux joueurs de se surmotiver. En tout cas, Franck, c'est une déception. On l'a vu au classement, Marseille qui jouerait l'Intertoto. On est très loin des objectifs annoncés. On est très loin des objectifs, c'est vrai, Denis. Maintenant, Lille l'a prouvé également aussi. On peut, par l'intermédiaire de l'Intertoto, faire un bon parcours à la fois en championnat et en Coupe d'Europe si on se qualifie. Mais c'est vrai que c'est très très loin des ambitions affichées en début de saison de la part de l'Olympique de Marseille. Jurietti. Je suis avec Bruno Chéroux, Denis. Qu'est-ce qu'il faut, Bruno, pour que Marseille reprenne la conduite du match? Il faudrait qu'on arrive à déplacer le bloc un petit peu plus haut pour soutenir un petit peu plus nos attaquants et essayer d'être plus dangereux. Je pense qu'on a moyen de marquer ce but qui nous ferait tant de bien.
Lanus qui va frapper ce coup franc donné à Jurietti. Les Bordelais qui cherchent peut-être à s'appliquer un petit peu comme ils l'avaient fait en tout début de seconde période, à moins balancer, comme vous le soulignez tout à l'heure, Franck. Ils essayent de trouver des soutiens avec Riera. Mais Riem, le geste technique, M. Poulet est sur la trajectoire et surtout il revient à la perte de balle à la faute commise sur Riera. Ce sera encore un coup franc au bénéfice des Girondins de Bordeaux, un coup franc important. Important, aussi dangereux, puis surtout, ça dénote aussi un état d'esprit. Ce sont des coups francs qui usent une défense, parce qu'il faut être extrêmement vigilant sur un ballon qui va fuir certainement, les trajectoires vont être coupées. Meriem qui a regardé justement ses trajectoires, comment elles pouvaient être coupées. Gabanon qui va au contact et qui prend ce ballon avec beaucoup d'autorité et de sang-froid. Oui, c'est bien. Merci Denis et Franck, direction Strasbourg. Bastia, est-il capable, Thomas, dans ses dernières minutes, de sauver sa tête en Ligue 1? Et pour l'instant, c'est difficile, Stéphane. Toujours 0-0. Il reste 11 minutes dans le temps réglementaire. Et pour l'instant, les Corses continuent de peiner face à des Strasbourgeois. On va retrouver Lucien Dabila, qui est notre homme de terrain, qui est sur le banc Corse, pour juste savoir un petit peu quelle est l'atmosphère, Lucien. Ah oui, c'est très tendu sur le banc Bastier. Je suis à côté de Pierre-Yves André. Et Pierre-Yves, c'est difficile ce match. Toujours pas de but. Et il faut absolument marquer pour se sauver. Oui, il faut absolument marquer. Bon, c'est vrai que... on a beaucoup plus d'occasions en première mi-temps qu'en deuxième. Cette chaleur est étouffante. Bon, c'est vrai que cette chaleur est étouffante pour les deux équipes. En jouant à l'extérieur, bah, il est d'autant plus difficile d'aller chercher des points, surtout quand on a gagné qu'un match à l'extérieur cette saison. Mais bon, on essaye de pas trop se mettre en danger en ne reculant pas trop face à cette équipe de Strasbourg entreprenante qui ne lâche à rien comme... certains auraient pu le croire, donc on essaye de faire notre match le plus sérieusement possible en espérant tirer les marrons du feu. Merci Thomas et voilà. Lucien, une autre équipe qui ne lâche rien, c'est Istres, Xavier Giraudon. Pour l'instant, Caen est en Ligue 2, il faut deux buts au canet pour se sauver. Ouais, la sortie dans les zones clés de ce match pour l'instant, Victor Hugo Montano, il a fait une saison plutôt moyenne, le Colombien, il a été très bon ce soir, passeur sur l'un des buts. La rentrée de Jiménez, ça c'est la jeune classe istréenne, mais c'est vrai que l'information de la soirée, c'est Canet lancé encore une fois dans une incroyable course-poursuite. Attention à ce ballon dans la surface, récupéré par Rudy Rioux, on est passé à 3 voire à 2 derrière, donc obligatoirement comme sur ce long dégagement, eh bien il y a des balles de 3 partout, il y a des balles de 4 à 2, et les nerfs des supporters normands qui nous regardent ce soir vont être certainement soumis à rude épreuve. Tout comme la forte colonie qui s'est déplacée ici dans les Bouches-du-Rhône. Pour l'instant, avantage Istres. Et pour l'instant, vous l'avez dit, la grosse déception, le coup de massue. Mais les Canets, comme toujours, vont aller au bout de leur jeu, de leurs idées, pour essayer d'aller chercher ce maintien qui serait miraculeux, hein, tout de même. Merci Xavier. Le miracle, il se produit pour l'instant à la Beaujoire. Cyril Liette, on rappelle que les Nantais avaient 6% de chance de rester en Ligue 1 à l'aube de cette 38e journée. Ça y est Cyril, ils sont en courant. Et pour le moment ils sont en Ligue 1, les Nantais 1-0, les Nantais qui depuis quelques minutes se tiennent au courant des autres résultats, qui savent que leur maintien est toujours aussi ténu, ne tient qu'à un fil, il suffirait, on l'a dit, d'un but de Bastia ou évidemment d'une égalisation, mais s'il ici à la Beaujoire, ce qui n'est pas exclu parce que cette deuxième mi-temps est assez décousue. Savino est sorti, Darrocha est sorti, les Nantais finissent avec une équipe très très jeune. Il y a beaucoup de nervosité sur les bancs, dans les tribunes, mais également sur le terrain, à l'image de ce que vous voyez ici avec Emers Faé, plus beaucoup de jeux et des minutes qui s'égrènent très très lentement. On rappelle que le 9 novembre 1984, sous les yeux de Jean-Paul Jeu qui réalise ce soir, Canal Plus accomplissait son premier direct de sport ici même à la Beaujoire. Canal a toujours accompagné les Canaries dans les grandes heures et dans les heures difficiles. Ce sont des heures difficiles, mais pour le moment, Nantes est toujours en Ligue 1. Ballon pour les Messins avec ce dégagement de Grégory Vimbé. Merci Cyril, que tous ceux qui suivent notamment les performances d'Auxerre, de Monaco, de Saint-Etienne, de Lille ou bien encore de Lyon se rassurent. Jour de foot sera là pour vous proposer de larges résumés de ces rencontres. La priorité va à l'info, à l'actu. Bordeaux-Marseille, Denis et Franck. Des Marseillais qui essayent par à coup, c'est vrai, d'aller menacer cette cage bordelaise. On sent que cette équipe de Marseille, c'est grave pour Bordeaux, peut arriver à marquer un but. Mais c'est vrai Denis, on est un petit peu là dans la configuration de la première période quand Marseille est parvenu à marquer. Il y a beaucoup plus de mobilité, je dirais, dans le milieu. On vient chercher les ballons, on permute et c'est en train de créer des problèmes à l'équipe bordelaise. L'équipe de Marseille qui récupère encore par Sylvain Ndiaye ce ballon, retransmis jusqu'au capitaine Frédéric Déhu. Déhu dans la profondeur, Lewin Doula qui était passé et qui est encore accroché par Marc Planus.
Ce sera un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il aura un carton jaune, Marc Planus, en grande difficulté dans ce match. C'est une main. Main, je pense. Mais en plus, c'est Peggy Lundula qui avait raté son contrôle. Et finalement, tout en le ratant, mais il a pu essayer de contourner le joueur bordelais qui lui a été surpris, a mis la main. Coup franc très très important. On connaît évidemment la qualité de frappe de Frédéric Déhu, de Pedretti aussi. Les deux hommes sont côte à côte. Peut-être la frappe du capitaine Frédéric Déhu, alors que le mur doit reculer à distance réglementaire. Monsieur Poula essaye justement d'appliquer cette règle. Frédéric Déhu face au mur et face à Ramé, c'est bien parti. Et Ramé qui sort le grand jeu et qui des deux points éloigne le danger pour l'instant avec Marange. Il n'y aura même pas de corner. Ce sera une touche. Et c'est vraiment bien joué de la part de Frédéric Déhu. On s'est vite joué par les Marseillais. Cette fois, Éric Ramé va pouvoir se dégager. Ouais, c'est un coup franc intelligemment tiré. Regardez, il ne prend pas beaucoup d'élan, donc ça suppose qu'effectivement il peut passer le ballon par-dessus le mur. Il choisit côté gardien en force. Un but très important, il condamne Bastia à la Ligue 2. Thomas Guichard. Oui Stéphane, le coup de poignard signé Mamadou Niang. On joue, il reste 5 minutes à jouer dans ce match, avec une nouvelle fois un extraordinaire Mamadou Niang qui est allé marquer tout seul avec un slalom assez incroyable au milieu d'une défense corse un petit peu apathique. Regardez Niang, il est là face à Karambeu, il est passé une première fois, il va passer Yaya une deuxième fois. Chimbonda, il revient et petite balle piquée face à Pento. 1-0 pour Strasbourg, un but évidemment qui condamne quasi définitivement Bastia à la Ligue 2. Pour l'instant, quand Bastia et Istres sont relégués en Ligue 2, on rappelle dans le haut du tableau que la quatrième place est tenue par les Rennais et que la deuxième place sera l'apanage, Philippe Doucet, des Lillois. C'est quasiment fait, même s'il reste quelques minutes, les Lillois bien ancrés à cette deuxième place. Ah, au classement, oui. Par contre, dans ce match, depuis la 70e minute, on assiste à la révolte habituelle des Auxerrois dans cette seconde période. Giroud a même fait 3 changements. C'est vous dire l'animation ici. Oui, allez-y. Merci Philippe. But à Bordeaux. Philippe Denis Balbir. Le but du maintien, il est là. Marqué par les Girondins de Bordeaux sur une action exceptionnelle collective de Marouane Chama qui offre un ballon de but à Francienne, me semble, on va vérifier tout ça. Mais les Girondins de Bordeaux, regardez, les Marseillais sont à terre, ils savent qu'à quasiment 5 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est terminé pour les espoirs. Regardez, Franck, quelle action. Oh, quelle action, regardez, il est à la lutte, Chama qui a ébahi quand même. Regardez, hop, crochet, il revient, un petit ballon derrière comme ça et cette frappe du coup de pied, on dirait extérieur légèrement. C'est magnifique et quel rôle encore de Chamac et Francien. Regardez, extérieur du pied droit, un premier poteau, ras du sol du poteau. Et un but superbe de Bordeaux qui donc maintient les Girondins de Bordeaux bien sûr en Ligue 1 et qui enfonce les Marseillais dans leur volonté d'aller décrocher un billet en Coupe de l'UEFA. Merci Denis, pour l'instant ce billet est donc pour Rennes. Quelle a été la réaction des Rennais au Parc des Princes, Eric? Eh ben vous savez quoi Stéphane, on va tout de suite aller près du banc de touche avec Bruno Blachon. Bruno, ils sont au courant sur le banc Rennais? Et bien sûr, et le maître mot pour l'Aslo Bologna, ça a été de dire à Johan Gourcuff juste au moment de sa rentrée, tu dis à tout le monde que Bordeaux mène contre Marseille. Alors cela dit, je sais pas, Stéphane va peut-être nous le confirmer, mais si Saint-Etienne marque à Monaco, tout est remis en question pour Rennes, Stéphane. En effet, Eric, si Saint-Etienne venait à gagner à Monaco, et on va y aller d'ailleurs, tiens, à Monaco, avec David Berger, prendre des nouvelles des Verts. Pour l'instant, il y a toujours un partout entre Monaco et Saint-Etienne. Est-ce que ça pousse dur côté stéphanois? Oh oui Stéphane, il y a énormément d'intensité ici à Louis II. Les Stéphanois qui ont eu vraiment 2-3 occasions en or de prendre l'avantage ici même. C'est un match un petit peu fou, presque un match de coupe. C'est vrai qu'on sent que les deux équipes ont énormément donné. Il y a beaucoup beaucoup d'énergie alors qu'il fait très très chaud sur Monaco. Mais on a vu tout à l'heure Diawara buter sur Flavio Roma, Piquion, Fainduno, tout le monde s'y met. Puis en face, on a vu Callon également avoir la possibilité de donner l'avantage à Monaco. On sent que les Monégas sont au courant du résultat de Lille. Cette deuxième période est légèrement dominée, c'est vrai, par les Stéphanois. Et de temps en temps, il y a effectivement quelques assauts avec des joueurs comme Chevanton, comme Gigliotti, comme Pontus Farnerud qui viennent de rentrer. Mais les meilleures occasions sont stéphanoises. Et c'est vrai que si Saint-Etienne marque...
Philippe Jeunin. Avec le but du chaos pour l'AC Ajaccio. Allez, on va dire 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Signé par celui qui vient juste de remplacer Nasser Ouada, le jeune Laurent Merlin, sur un très très bon travail de Chapuis puis de Demont. Eh bien, c'est lui au second poteau qui vient enfoncer le clou et permettre aux hommes de Courbis de mener désormais 3 buts à 1 face à Sochaux. Merci Philippe. Ajaccio sauvé, Metz sauvé, Bordeaux sauvé. Mais attention, attention Cyril Linette. Un but des Messins à Nantes et Nantes redeviendrait relégable. Ça changerait tout effectivement Stéphane, toujours 1-0 pour Nantes. Écoutez la Beaujoire comme on ne l'a jamais entendu sans doute, en tout cas sans doute plus depuis le titre 2001. Serge Delizet qui est maintenant au courant, le public de la Beaujoire qui est au courant, mais ça tient un but de Lille à Auxerre. Philippe Doucet. C'est angoissant. Oui, cette fois-ci, c'est réglé, effectivement, pour la seconde place, puisque Moussilou, sur un contre isolé des Lillois qui souffraient, je vous le disais, depuis une vingtaine de minutes, eh bien, Moussilou vient marquer le troisième but qui va parachever cette seconde place des Lillois, Olivier. Oui, avec Moussilou qui anticipe bien le centre, il vient couper la trajectoire du ballon, il passe devant Mignot qui était rentré tout à l'heure. Ce centre de Angba est absolument superbe, et regardez comment Moussilou se jette pour surprendre Fabien Kohl et tout le bonheur de Claude Puel. Merci Philippe, merci Olivier. Direction Nantes, où on le rappelle, un but, un seul but messin, et Nantes est en Ligue 2. Absolument, les Nantais pour le moment remplissent leur contrat pendant que les résultats leur sont favorables, mais ça tient un but, 1-0. On est dans la dernière minute du temps réglementaire, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Il reste donc 3 minutes et 40 secondes à souffrir pour le public nantais pour arracher une 43e saison consécutive en première division. Ballon pour K qui est entré tout à l'heure, qui a apporté beaucoup de fraîcheur et de dynamisme. On est dans la surface avec Rubil, ballon repoussé par les Messins. Ce sont les Nantais quand même qui, de manière à se rassurer, campent dans le but adverse, dans la moitié de camp, moitié de terrain adverse. Depuis un bon quart d'heure dans cette deuxième mi-temps, après un début de seconde période relativement équilibré, les Messins ne sont plus trop offensifs, mais sait-on jamais. Attention à ce ballon vers K qui sera à la lutte ici avec Franck Beria. Beria qui intervient, coup franc et dégagement immédiatement. Le temps, le silence, le temps additionnel 3 minutes, le silence qui se fait à la Beaujoire, parce que forcément derrière, Vimbé va dégager et Metz va peut-être attaquer. 2 minutes 50 encore à tenir pour les Nantais. Le dégagement de Grégory Vimbé. Et ce ballon à nouveau repoussé par la défense des Canaries. Dominique sur le banc de touche, est-ce que c'est la folie? Oui. Allez. Strasbourg, Thomas Guichard, but. Oui, deuxième but strasbourgeois dans les arrêts de jeu. Deuxième but signé Farnerud sur un service de Mamadou Niang. Regardez, c'est parti du camp strasbourgeois. Il n'y a plus de défenseur corse. Pento est tout seul face à Niang, face à Arache, mais surtout face à Farnerud qui n'a plus qu'à pousser ce ballon. 2-0 pour Strasbourg, Bastia donc définitivement relégué. Merci Thomas, on retourne à Nantes où le suspense est complet, Cyril Linette. Retour à Nantes, toujours 1-0 pour les Nantais. Dominique, le banc nantais qui ne tient plus. Ah, c'est intenable, ils ont envahi la zone technique, évidemment, ils n'ont pas le droit d'en sortir, même les blessés sont là et on attend la délivrance. Je vous coupe Dominique et Cyril, la pénalty à Bordeaux dans les arrêts de jeu, il est pour les Marseillais, Denis Balbir. Oui, pénalty pour l'Olympique de Marseille pour une faute dans la surface de réparation, bien sûr sur Coquet, regardez. Lanus était au contact et ça semble extrêmement sévère oui, sur l'image. Je pense, effectivement, oui. En tout cas, Coquet est tombé dans la surface. Monsieur Poulain n'a pas hésité une seule seconde. Deux pénaltys dans ce match. Et l'occasion pour l'Olympique de Marseille d'égaliser avec 5 pénaltys encaissés pour les Marseillais cette saison. Et un seul marqué à l'extérieur à Caen par Bamogo. Peggy Louyindoula face à Ulrich Ramé qui a le ballon d'égalisation à 3 partout pour Marseille ici à Bordeaux. Louyindoula, et c'est le but pour l'Olympique de Marseille qui égalise. 3 buts partout entre Bordeaux et Marseille grâce à Peggy Louyindoula. Marseille revient 3 partout. Merci au fil à Nantes pour la fin du match. Nicolas Guillon la réclame, Cyril Linette. Tout le monde la réclame, tous les Nantais la réclament. Ballon pour Mickaël Landreau. On est dans la dernière minute du temps additionnel. Le banc nantais, on vous le disait, qui n'y tient plus.
Nantes, 8 fois champion de France, formateur de Deschamps, de Saïd Carambeu, 3 champions du monde. Nantes qui va probablement rester en Ligue 1. Réponse officielle dans les secondes qui viennent. Plus personne ne joue. Et ce, simplement depuis quelques minutes, sous réserve bien sûr que les autres scores restent en l'état. Mais les Nantais ont quand même de la marge maintenant à cet instant précis. Les Messins qui attendent aussi finalement la fin du match parce qu'ils savent qu'ils vont se maintenir. On a joué jusqu'au bout dans un bon esprit dans ce match avec beaucoup, beaucoup de tension évidemment. Les Nantais qui n'ont plus gagné depuis 4 journées et qui s'imposent. Écoutez la Vaugeoire. Mickaël Landreau, il va y avoir encore quelques minutes de battement évidemment ici avant d'être complètement serein. Mais Nantes a priori va rester en première division. C'est un petit miracle, on peut vous le dire Stéphane. Peu de gens y croyaient tout à l'heure lorsqu'on est arrivé au stade. Merci Cyril, on reviendra évidemment vous voir. Mais tout de suite, direction Monaco. Si Saint-Etienne marque à Monaco, David Berger, Saint-Etienne est en Coupe de l'UEFA. Oui, Frédéric Piquet en a eu la balle de la Coupe de l'UEFA justement il y a 30 secondes de cela, avec une occasion énorme encore pour les Stéphanois qui auront certainement beaucoup, beaucoup de regrets si le score en reste là. Piquet qui a buté sur Flavio Roma, mais il était parfaitement lancé. Il perd son duel face au gardien monégasque. Des Stéphanois qui essayent de tout donner avec le public qui est au courant. Je vous parlais de 6000 spectateurs stéphanois qui sont présents et qui croient à cette quatrième place. Il manque un but aux Stéphanois pour accrocher cette quatrième place. Là, c'est une faute. C'est Lamine Sakho qui a fait son entrée et qui est sanctionné. Les Monégasques vont pouvoir se dégager. On est dans le temps additionnel. 4 minutes au-delà du temps réglementaire ont été accordés par monsieur Le Dentu. Non, faux départ David. C'est pour vous signaler que c'est fini à Ajaccio qui se maintient et c'est fini à Strasbourg. Bastia est en Ligue 2. C'est également le cas de Caen. Je joue à Strasbourg. Et c'est peut-être... C'est peut-être la dernière offensive pour les Stéphanois avec une faute de Modesto sur David Elbuic. La dernière possibilité pour Saint-Etienne de s'imposer. La dernière victoire stéphanoise ici même à Louis II date du 23 septembre 1980, c'est-à-dire l'année du dernier titre de champion de France des Verts. La balle de match peut-être pour les Stéphanois avec ce long coup franc de David Elbuic. Si Saint-Etienne marque, Saint-Etienne accroche la quatrième place. Piquion qui a eu 2 ou 3 fois l'occasion de marquer aujourd'hui. Et David Elbuic qui va s'élancer, le centre d'Elbuic avec la petite déviation de Feinduno. Et ce ballon qui reste dans la surface, le dégagement à venir pour les Monégasques. Toujours un partout, c'est fini, c'est terminé. Et la libération ici de l'Aspe Bologny qui apprend à l'instant que Rennes sera la saison prochaine en Coupe de l'UEFA. Elle est aux côtés de Bruno Blachon. La réaction tout de suite de l'Aspe Bologny avec vous, Bruno. Rennes en Coupe de l'UEFA. Et bien ça y est, vous y êtes en Coupe de l'UEFA. Bon.